Et voilà. Et bonsoir. 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 Ah, d'accord, le stream, le serveur. Ok, alors, je lance la game. Donc c'est Hérode, mot de passe Hérode avec la majuscule, tout ça, tout ça. Juste les gens, vous allez voir qu'il y a un serveur Pipoudou. Ah non, c'est Pipou, oh non. Merde, j'ai pas... Non, c'est Pipipou. C'est pas Pipoudou. Ça s'appelle Pipipou. J'ai pas fait de... J'ai pas changé la map, je suis un débile. Une partie. T'as quoi ? Débile. Alors. C'est pas malin. Débile. Ah, Molo qui voulait venir. Ah, Molo qui veut venir. Ah, Molo. Merci Bondé, Molo. Mais non. Molo, faut qu'il sélectionne quelqu'un à virer. J'avoue, Molo, quelqu'un je te laisse qui parle le choix. Beaucoup. Je te laisse le choix. Bah, c'est moi qui parle le plus, donc bah, salut les gars. Au revoir. Je comprends rien. C'était pas censé, il était pas censé streamer ce tel ça là. Bah si. Le serveur est lancé ou pas? Attendez, non, pas encore. Salut Molo. Salut Molo. Je suis en train de me demander. Molo. Ah mais y'a Besta. Oui. C'est sûr en fait. Je vais pas mettre autant de loups. J'ai enlevé le loup noir. Des langages étrangers. Incroyable, il y a du monde. Incroyable. Je mets 3 loups, un assassin. Vous voulez pas tester les serveurs vietnamiens? Vas-y, on te suit. Attention. Par devant. J'ai chauffé Jenny et Getsuga. Ah oui. Ah. Putain, Molo. Ça fait beaucoup là, non? Je suis allé chercher à boire, j'ai dit aux gens go file d'attente et ils étaient pile 9, on était 3 en vocal. Putain, file d'attente. Non, pardon. Après, personnellement, je ne fais qu'une seule game, vu qu'après ouais, je vais me coucher. On fait une game déjà. On fait une game. Bah, moi, j'arrive pas à rejoindre le serveur. Oui, c'est normal, j'ai pas créé. Ah, ok. Je crois que t'as dit qu'il était créé. Non, en fait, c'est bad. Pour ma intervention toujours pertinente. Je crée la game. Je vous laisse vous connecter. Je reviens. Moi qui n'ai pas suivi, j'ai compris. La. Incorrect. Là, c'est qui se déchire. Calmez-vous. Quel abruti, j'essaye de jouer à la manette. Mais pourquoi c'est j'arrive pas à mettre le mot de passe? Quel abruti. C'est Hérode le mot de passe. Ah, j'ai tout mis en majuscule, j'en fais exprès. Ah, mais du coup, Molo, attendez combien en vocal? Ouais, Molo, il sait pas. Mais. Je peux aller en vocal. Du coup, Molo, il arrive après, il a voulu une place à quelqu'un, le pauvre. Il fallait être plus rapide. Et il a remplacé... C'est qui, Eddie Williams? Excusez-moi, me revoilà. Mais c'est qui, Eddie Williams? Luciole s'est fait piquer la place. Oh non. C'est qui, Eddie Williams? Attendez. Je sais pas. Il y a plus de place. Non, un mélange entre Eddie Mitchell et John Williams. Vite, Maximus, il a quitté. Vite. Non, bah, c'est pas grave. C'est normal, j'ai bugué au moment du machin. Mais bon, après, hein, si vous voulez que je me barre, vous le dites tout de suite. Hein, je vais me coucher. Hein. Mais non, Maximus. Maxime, voyons, on va pas faire des trucs comme ça. Non, bah, je laisse ma place. Je laisse ma place. Hérode, c'est bien eux, majeur. Ah, putain. Enfin. Bon, allez, j'y vais. Bonne soirée à tous. Je suis désolé, Luciole. Bonne soirée. C'est pas grave. Au cœur, Luciole. Wow. Maximus, tu as une Luciole et tu seras prioritaire sur les entrées. Tu sais, t'auras pas mon subprime, c'est tout. Ah, bah, je suis moins désolé, Luciole. Désolé, Luciole. Mais. C'est quoi, bordel? C'est rien, Maxime. C'est parce qu'on est deux sur la côte. Oui, j'ai compris. Non, j'ai compris pourquoi. Je vais massacrer ce. Non, c'est la synchronisation avec le clou qui fout la merde. Elle met 3 plombes à chaque fois, donc c'est juste c'est juste chiant. Ah oui, c'est ce que ça faisait l'autre fois et que ça te faisait laguer. D'accord. Mais c'est quoi cette. Attends, déjà j'entends un écho du Discord.
Un, deux. Live ouvert. Ah putain. Non, j'ai pas le live ouvert, je vais vérifier. Ouais. Ah mais moi j'entends pas d'écho quand j'ai mis, je sais pas. Non, je te le dis, c'est bon, ça devrait aller. Ça est la dernière fois que je lance, après sinon je sens que ça va pas le faire. On a pris ta place. C'est la première game là. Et... Ah, on a pris, ouais, on a oui. Non, t'as pas... Ah, oula, 13 sur 12, what the fuck. Ah, c'est bon. Je comprends rien. Ah, c'est bon. C'est Bélier métalleux. Non, c'est Bélier qui a piqué la place à Maxime. Mais, ah, merde. Mais... Maxime, bah, non, il y a deux. Mais il y a quelqu'un qui est pas dans le canal qui a pris la place. Qui... Surtout ça. Mais c'est qui? Eddie Williams, du coup. C'est lui, alors, je pense. Attends, Bob. C'est quelqu'un random qui a réussi à se connecter parce que le mot de passe est... Bah, on a dit en vocal. Molo, Tenza, Bob, Serzen, moi, quelqu'un qu'on connaît pas, Makines, Vexi, bah non. Est-ce que Eddie Williams peut dire qui c'est sur le chat de Tenza? C'est personne. Mais il est forcément sur le live de Tenza, s'il connaît le mot de passe. Bah, non, comme en même temps, c'est un peu évident, le nom du mot de passe, c'est le nom du serveur. Bah, il y a une chance pour que ce soit le cas, mais c'est pas évident non plus. Ah, on peut pas voter. Eddie William est demandé à la caisse. Ça, Eddie William. Faut que tu kicks Eddie William. Parce qu'on sait pas qui c'est, il répond pas. Quoi, en plus, il bouge même pas. Et en plus, c'est un voleur. Eddie William. C'est qui m'a mis mon ballon? Maxime, il faut que tu. Attends. Ah, je fais qu'actualiser, j'attends. Comment je kick? Échappe, liste de joueurs, ça marche pas. Attends qu'il répond. Attends qu'il répond. Eddie Williams. Non, mais il est. Ah, ouais, non, mais sinon, il sera en vocal. Donc, bah, cliquez. C'est hein. Maxime, tu me et c'était Venom. Mais il a le mot de passe pourtant. Ou alors il a tapé la même chose que le titre. Ah, c'était Makines, qu'il y a l'écho. Ouais. Ah bon? Quoi? Il y a un écho de grand-mère des fois. Ouais, de temps en temps, il y a un écho. Mais du rêve. Mais il est pas en vocal là de toute façon. Non, il est pas en vocal. Il a pas l'air d'être sur le chat. J'ai vérifié la qualité des fichiers. Non, c'est à chaque fois j'arrive, je me fais déco parce que c'est déjà rempli en fait. Mais ouais, faut que tu sois plus réactif, Guxim, quand on le kick. Attention, je le kick. C'est Maxime, pas Guxim. Je le kick maintenant. Je le kick maintenant. Top. Vas-y, rejoins Maxime. Je peux pas modifier les paramètres du serveur, modifier le salon, genre mettre changer mot de passe. Eh vas-y, il manque trop de trucs sur leur truc de mot. Maxime, c'est bon. Bah ça, tu peux faire un c'est bon. Ok. Oula. Oui, il est déjà 1h du matin à Istanbul. Ouais, à Istanbul. Ouais. Après, de le rappeler. Petit Porto, il fait rien. Allô. Ouais, j'ai switché Guestuga et vu que j'ai vu qu'il y avait Jenny, je suppose que c'est en attente pour la prochaine game. Ouais, c'est ça. Allez, on perd pas de temps. Je lance la partie. Je suis prêt à sacrifier ma place pour gêner la prochaine game. Hein. Mais de toute façon, t'as Warrenner qui est aussi, je crois. Yep. Je me casse aussi. Bosse demain. Un assassin, j'ai jamais joué avec l'assassin. Ah, mais maintenant, il y a l'assassin. Alors juste, l'assassin, il peut être tué que par le village, on est d'accord. C'est ça. Si je vais regarder, c'est quoi le tuer, ils ont un message le lendemain matin. Vous avez essayé de tuer Nanana, mais il a dégarpi avant que vous le croquiez, en gros. Terrible. Bon, évidemment, vous coupez le stream si jamais vous êtes dessus et je vais demander aux gens du chat de pas donner trop d'indices parce que du coup il y a quand même des modérateurs qui ont besoin de modérer, donc s'il vous plaît donnez pas trop d'indices. J'ai déjà fait le topo, Tenza, t'inquiète. Ok, merci. Non mais j'aurais pas dû faire ça. Ah, je me mute pendant la nuit, comme ça je peux vous parler en même temps sur le chat. Ça fait un petit just chatting en même temps si vous voulez. Ouais Luna, attention à ce que tu dis. Et ouais Patoche, j'ai envoyé la purée. De toute façon je crois que Warrenner après va se coucher et après il n'y a plus de modo techniquement.
est-ce une pub pour préservatif? Chose qui arrive. Herbe con, j'ai lancé. J'ai lancé. Bâtonnet. Ah. Mais décidément, l'influenceur se fait tout le temps tuer par, par l'assassin. C'est pas cool ça. Par contre. Bon, par contre, j'ai une question pour l'assassin. Enfin, pour le, par rapport au rôle de l'assassin. Est-ce que, par exemple, s'il vise un loup, le loup il meurt aussi ou pas? Oui. Mais par contre, si les loups votent l'assassin, ils meurent pas. Genre, si pendant la nuit les loups ils votent l'assassin, ils meurent pas. Mais ils ont l'info que c'est l'assassin. C'est pété. Mais ils ont l'info que c'est l'assassin. Mais de toute façon, tu fais contrôler, tu mets ton curseur sur le rôle de l'assassin, puis tu verras. Ils ont pas l'info tout de suite, ils ont l'info que quand ils essayent de l'attaquer, ouais. Non ouais, c'est oui, ça, c'est oui, ça. Oui. Ils ont l'info que quand ils essayent de l'attaquer. Ouais, s'il est pas mort, le mec, c'est-à-dire quand c'était l'assassin, du coup, ils savent c'est quoi son rôle, et c'est pété. Quelqu'un ce soir. You bypass. T'es mute, Makines. Pardon. C'est pas quand l'assassin, il tue un des loups qui fait que il est repéré. Non, c'est le lendemain matin, quand ils ont essayé de le tuer. Il y a un message qui s'affiche. C'est quand les loups essayent de tuer l'assassin, en fait. On n'a pas notre bypass. Il y aura notre bob pass. Vas-y, bob pass, un bob pass. Un bob pass. Un bob, ah oui, d'accord. Je cherchais Byron, je le trouvais pas. Il est où mon bob? Bob, il a un bureau devant lui. Je crois que c'est Pandinette qui a le micro qui sature. C'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle. Par contre, toi, t'es une sorte de temps en temps en tout bleu. Ouais, pas... je sais. Ouais. Oui, je sais. Oui. Putain, tombé la nuit. Bon, les amis, on a une position plutôt privilégiée. On connaît les loups. On est en couple avec un loup. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et ça règle pas l'assassin. Je sens qu'on va mourir de l'assassin. L'assassin c'est vicieux, on peut pas se défendre pendant qu'il tire la nuit. Donc bon. Là, les loups, si je me faisais focus, Makines pouvait me sauver. Non ! Attaque ! Jean-Pierre, attaque ! Jean-Pierre ! Oh, c'est dégueulasse ! Bon, j'avais oublié que le bypass, quand il y a un assassin et des loups, c'est pas ouf. Non. Ah merde. C'est pour ça que j'ai dit, mais vous êtes sur les bypass, mais bon. Donc déjà, ça innocente Pandinette, déjà, puisque son chien n'a pas aboyé. Donc, non, Pandinette, ouais. En tout cas, non, attends, elle est pas loup, c'est ce que je veux dire. Elle peut être assassin, mais elle est pas loup. Parce que le chien n'a pas aboyé. Pareil. Parce que le chien n'a pas aboyé, il est pas loup. Non, pardon, j'ai pas Bob, il y avait Warrener. Donc juste Pandinette. C'est un petit peu. Réfléchissons. Moi, j'ai envie de buter quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un Genre, c'est un peu du pif. Ouais. J'ai un peu envie de buter quelqu'un, un peu genre au pif. Faut pas dire au pif. Mais j'ai des doutes quand même. Sur Serzen? Pourquoi? C'est Serzen. Serzen. Pourquoi? En tant que quoi, loup ou assassin? J'ai légèrement un doute, mais c'est le seul plus gros doute que j'ai, donc je tente au moins sur Serzen. Mais pourquoi? Le doute. Peux me dire un argument. J'en sais rien. Mais... Peux me dire un argument qui est complètement bidon, mais qui pour moi fait sens. Que si Serzen avait été méchant, étant donné que je l'ai fait chier pendant toute l'après-midi, je serais instantanément vengé sur moi. Ah, peut-être pas. C'est ma théorie pourrie, prenez-la comme vous voulez. Franchement, je laisse mon doute sur Serzen et je vote pour lui. Mais en tant que quoi, Serzen, tant qu'à te faire chier encore plus fort. En tant que vous, en tant qu'assassin, petite lumière, le temps passe. Non, j'aimerais bien avoir des infos. Pourquoi Monsieur le maire, on fait quoi? Alors là, bonne chance. J'ai énorme doute. Mais un énorme doute, mais basé sur quoi? Et d'essayer peut-être de passer des veaux, j'en sais rien.
J'avoue aussi, peut-être. Bah, qu'il le fasse mieux. Ah non, mais il y a. Non, mais je peux pas me dévouer vu que j'ai... c'est juste des. Bon, écoute, moi, franchement, faites-moi confiance, allez sur Serzen et. Alors, je vais suivre ton call et puis si jamais s'il a. Oui, ouais, suivez, suivez, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. C'est de la merde. Suivons le but. S'il vous plaît. Mais j'y vais au pif et c'est le plus gros suspect que j'ai. C'est parce que tu ne défends pas, Serzen. Le but, c'est de débattre. Non. Et arrêtez de parler tous en même temps, c'est infernal. Le but, c'est de débattre quand même. Ouais. Bravo. Ouais. Oui, bon, maintenant, on sait quel rôle tu as, donc... Quoi? Tu arrêtes? Tu as fait bouger une paire, la danse, que je la touche. Kegli, on se fait allez, vite. Bravo pour ton call. J'ai la dent. Mais attendez, vous voyez pas ma cam depuis tout à l'heure? Ou alors j'ai appuyé sur une macro, j'ai pas fait exprès. On va la voir vu qu'on est dans la game. Non, je parle du coup au chat. Merde, désolé, j'ai oublié de remettre la cam. Ça m'a l'air très compliqué quand même. Vous avez fini? Oh! Oh! Wow. C'est la sorcière! Duxim! Attends. Duxim? Alors. Déjà moi qui. J'ai 30 secondes. Attends, Duxim. Oui. Duxim? En face de moi. Bien à droite, mais très bien à droite. Vise très bien à droite, moi je dis franchement. Non, pile, Duxim. Duxim, non, non. Extrêmement à droite. Guxim, écoute-moi. En face de moi. Oh. Attendez, mais c'était qui parlait? J'ai pas compris. Ok, voilà. Moi, j'ai rien compris parce que Guxim. Oh, non, mais j'ai entendu comme ça et je me suis dit, s'il insiste comme ça, c'est qu'il avait un call. Est-ce que le village, vous faites confiance et vous disiez que je me suis safe? Ah, bon, non. Que je suis safe. Non, écoute, ça dépend. Mais genre, comment? Mais pourquoi moi? Vous êtes en couple ou quoi? On sait que je suis innocente. Puisque j'étais à côté de moi, Bob, on sait qu'il est soso. Je suis. Je pense qu'il est nécro. Hein? Bah non. Là, non. Bah non, non. Mais. Bah, vu la certitude que t'avais Tensa, je pensais que t'étais voyante. Donc, Kiglirs nécro. Non. Donc, c'est l'inverse. Mais Kiglirs, perso, j'ai toujours pas d'infos sur. Voyante, écro, mais. Ah, mais il reste un couple! Mais oui, il reste au couple! Oui, il reste un couple, mais moi, franchement, j'ai ultra confiance. Je me dis. L'argument là que j'ai, c'est vu que, c'était Warrener. Je me dis que Tensa et Mekiles sont peut-être en couple et qu'ils ont essayé de se dégager de l'autre loup. Quelque chose à dire, monsieur Tensa? Quoi? Oui. Moi, je pense que c'est ça encore. Et c'est pas pour cette raison. Simplement parce que j'ai des infos. C'est tout. Quelles sont-elles? Bah, mes infos, je les ai. Bah, je suis obligé de dévo, mais bon. Je les ai pendant mes rêves. Confiance. Voilà. Moi, je suis sûr. Pendant mes rêves. Je dis, c'est Warrener. Moi, je dis. Ça vous aussi, vous. Moi, franchement, je dis, c'était Warrener qui était le Cupidon. La dernière fois que j'ai joué avec lui, qu'il était Cupidon, il avait fait la même chose. Il avait mis un coup assez connu. Moi, je pense qu'il glisse. Je pense que Kiglia, il bluffe. Parce que tout à l'heure, il a dit quand même que c'était un gros doute et que c'était un call hasardeux. Enfin, pas hasardeux, mais je sais plus ce qu'il a dit, mais... Désolément. Tu penses qu'ils ont tué l'assassin et qu'après, ils l'ont identifié et lui, l'a balancé le matin? Je pense, ouais. C'est probable. Non. Ouais, mais non, mais faites-moi confiance. Moi, je vais tenter ce call-là. Non, suivez-moi. Franchement, moi, en vrai, je me le dis... Je pense que du coup, comme t'as dit, Pandinette, ils ont essayé d'attaquer... Ils ont essayé d'attaquer l'assassin, ils ont eu l'info et il a marché par le call. Je suis quasi sûr que c'est ça. Suivez-moi, s'il vous plaît. Non, quasi non, non, sûr, non, non, mais... non. Bob, moi, je suis sûr de mon rôle. Je suis sûr que c'est... Franchement,
Tensa, tu mens parce que le jour où l'assassin il est mort, il y avait déjà eu 2 morts dans la nuit, donc l'assassin pouvait pas avoir été tué par les loups. Bien joué. Très bon raisonnement. Bravo. bien joué, voilà. Très bien joué. Mais en vrai c'était très très compliqué parce que, en fait, si les loups avaient genre buté le maire, il y avait potentiellement une cible ailleurs. Parce que là, le maire était innocenté. Kiglien, il avait, bah, pas dévot, mais vraiment, bref, on savait que c'était bavoyant, quoi. Pour Dinette, toi, ouais. t'avais, comme par hasard, t'avais le dresseur à côté de toi, donc on savait que t'étais pas loup et l'assassin était mort, donc c'était sûr que c'était soit Makines, soit moi. Et, mais bon, du coup... C'est quoi le rôle qui restait? Et en fait, juste c'est quoi le rôle qui restait? Avant que je quitte la game, j'ai juste une question. Qui c'est qui a dit que j'avais déjà joué Cupidon? Parce que c'est la première fois que je le joue. Ah oui, c'est sûr. En fait, c'est parce que, en gros, quand il y a Makines et moi en couple, ou quand moi je suis en couple avec Molo ou quoi, c'est que c'est forcément des nouveaux joueurs de Cupidon avec nous, quoi. Parce qu'en gros, on avait dit aux gens arrêtez de nous mettre en couple parce que c'est tout le temps ça, en fait. C'est un peu comme Maxime et Dinette, quoi. On évite. Faut éviter de me mettre avec Pandinette aussi, par exemple. Je maintiens, c'est du random. J'ai jeté un D12 pour savoir qui j'allais mettre en couple, tellement je l'avais pas. Ouais, t'inquiète. La seule fois où je suis tombé en couple, c'était avec Dorad et je suis mort T1 à cause de Dorad. Ça me rappelle la belle histoire d'amour entre Byboss et Just Dozit. Byron, chasseur qui a tué Dozit, non merci. Moi, je voulais savoir. Il y avait qui d'autre qui s'en allait? Bah moi, je veux bien céder ma place à Jenny si. Mais c'est pour céder. Okay, mais en vrai, le truc, c'est que j'avais un autre argument aussi, mais j'ai oublié de le dire. C'est que il restait plus que nous à la fin, et je me suis dit, il y a Tensa et Mekiles qui sont aussi vivants, et il y a très forte probabilité qu'ils soient en couple parce que je ne vois pas les autres combinaisons possibles. Je t'avoue qu'à la fin j'ai eu un doute si toi t'étais pas avec Bob. Parce que Bob parlait pas, donc ça aurait pu passer tellement crème. Ouais, mais Bob il était tout seul, j'avais vu. C'était protégé. Guilherme, tu vas te coucher ou pas? Ah, Guixi, je sache ça. Il y a Dorad sur le stand. J'ai un peu rien. Ouais, non, mais Dorad, je pense pas à ce que j'ai dit. C'est un peu. Tu sais, moi je suis un peu choix. Tu m'avais dit une heure et demie. Je pas comme ça. Allez, Jenny. C'est des paroles au hasard, quoi. Qui c'est qui vient là? Jenny, du coup. Merde. Du coup, faut que tu laisses ta place. Si tu laisses ta place, il y a Kiglier qui est en train de. Non, Kiglier il part, non? Il part rejoindre. Non, ah. Non. Qui part? Oula. Attends, tu te fais Daronhead et tu pars. Ouais. Ah, j'avoue, Kiglier. T'es vraiment un thug, Kiglier. T'es en train de contester l'autorité de ta mère? Ça se fait pas. Écoute, c'est comme ça. Il n'ose pas le dire. Non, mais il peut même plus parler. Il l'écrit dans le chat. Parler, ah non, si honteux, tu peux plus parler, voilà. Ça va être compliqué, Kylian. Non, il peut plus parler, sa mère dort derrière lui. Ah merde, jusqu'à 1h30 du mat. Ah bah ouais, mais bon. Non, mais il peut parler. Get down, Ned. Par contre, Serzen. Toi, prochaine game. Ah, mais j'ai visé au pif. Moi, tu m'as fait une épée de pied. Parce que je te fais dire, Elir Mère. J'avoue, j'ai jeté un cocktail sur Maxime tout à l'heure, c'était totalement. Mais, ah, terrible, Kylian. En vrai, tu mais gueules pas, mais pour les parents, dès qu'ils entendent un peu fort, terminado quoi. Bon, ah, bah, ça n'empêche pas qu'il faut une place pour Guestuga. Genesis, pardon. Get down. Bam. Oh les gars. Non, mais si tu peux plus parler. En voyant avec qui tu peux plus parler. Parler. Au dodo. Je parle. Les gars, c'est pas moi le loup. C'est pas moi le loup. Mais si je parle. En plus, t'imagines s'il s'énerve. Il s'énerve en chuchotant. J'ai mis la place juste avant. Oui, pardon. J'ai débarrassé mon plateau. Mais Kiglir se barre ou pas? Apparemment, non. C'est un vrai thug. Est-ce qu'il peut parler ou pas? C'est la question. Est-ce qu'il peut parler? Oui. Bon, écoutez, je vais vous laisser du coup. Attends, il vit dans un appartement? Dans ton appartement. Le ballon, tu parles pas. Parle, Kiglir. Parle, voyons. Bah non, parce que s'il parle de sa mère alors qu'elle est à côté.
Ouais, alors c'est une grosse pute. Ah, si, elle me casse les couilles là. Non, mais dis pas ça parce que hier, Molo il a fait la blague en criant salut maman de Kigger sur GeoGuessr. Résultat, elle a entendu. Ah, oui. Donc, elle a entendu. J'ai clippé. Attends, faut que je retrouve le clip, c'est trop bon. Ah, putain. Mais ouais, bon, t'as un appart à ton nom, mais elle vit avec toi dedans. C'est quoi ce bordel? Oui, bah, je connais ses ambiances. Alors, il se fait Daron Ed alors que sa mère, elle est SDF Ed. SDF Ed. On dirait un parti, quoi. Un parti politique, le SDF Ed. Le SDF Ed. Vous jouez quand? Eh bah, quand il y aura une place qui se libère, du coup. Dès que, non, mais je me marre. Allez, je suis sympa. Je... T'inquiète. Attends, au pire, Molo, est-ce que tu peux faire tourner la roue corrompue des T3? Ah bah c'est à peine ça de faire tourner une roue. Moi, alors, j'ai la flemme. Molo, il fait tourner les bitches. Quoi? Ah, j'ai la flemme. Non mais Kiglir, s'il peut pas parler... En vrai, c'est loup, chiant quoi. Si tu peux pas parler, Kiglir, ouais. J'avoue. Oui, je peux. Allez, si Kiglir, mais... sacrifie-toi. Il fallait avoir 6 mois de tier 3 chez quelqu'un. Si je peux parler... Non, écoutez mon charisme. Oh, le secousse bavé. Bon, allez, je m'en vais. Comédie a assez duré. Je pense qu'on nous a fait un roman. Ah ouais. Mais bon, histoire de quinzaine, de demi-loyers, pas payés, de drogue, d'armes à feu, je n'ai pas tout compris. Puis tout à l'heure, des gens qui disent qu'ils partent, mais tout à l'heure, c'est 12 sur 12. Barrez-vous, bordel. Bon, allez, je me casse. Barrez-vous. Avec Guxim, c'est pas grave, on Genet, a beaucoup joué à Fall Guys. Ça compense. C'est uniquement pour toi, hein, et c'est uniquement contre Kiglir. Ouais, grosse merde, ouais. Moi, je dis Tensa, Kiglir, t'es déjà ban de ma communauté avant qu'elle soit née, c'est quand même fantastique. Ouais, dépêchez-vous, là, on a envie de jouer. Oui, c'est bon, je me suis barré. C'est en vocal, par contre, parce que... Bah, faut pas parler par contre. Mais non, pique-nique ma bite, c'est même que le titre. Voilà. Merci Pias, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. Je t'échange mon amour et mon argent contre ton badge en or. Dis salut à tout le monde de ma part. Et bah merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement et GG le badge en or. Et c'est tout. Yaï Pias, il vous dit bonjour. Voilà. Salut Pias. Oh, mais il fait allez, chier c'est parti, là. On perd pas vas-y, de vas-y, je me casse. Non, mais Pias. Vas-y, je me casse. Quoi? Non, mais c'est une blague. Vas-y, non. Sérieux, si tu insistes comme ça, vas-y, je te laisse la place. Mais non, mais on vient de lancer, il est trop tard. Bah moi, je fais la game. Je veux bien qu'on relance. Hein. Je veux bien qu'on relance. Non, mais je parlais avec Guxim. Mais même, ah, mais même on a lancé bon, la game, bon. On s'en branle. Allez, bonne nuit. Oh là là, il me fatigue. Ah là 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 là. Tiens, tu sais quoi, attends. Regarde. Il est où? Voilà, toi. Tiens, parfait. Hop là. Ouais, c'est bon, on a réussi à lancer. Enfin. Eh bien... Il y aura décidément quand tu viens pour faire des interventions comme ça. Décidément, ouais, il a jamais le temps de jouer. Ça prend du temps quand même entre les deux. Oh putain, le dresseur. Oh, il va servir quelque chose, ce dresseur ou quoi? Bon. Oh la vache. Ah, mais du coup, on a même pas le temps de. Le dresseur, c'est super utile en plus. Mais oui, c'est mais là, on a zéro.
Alors, on a perdu vraiment deux rôles importants là. Bon, avant de perdre de nouveaux rôles importants, je dirai après. Ah, regarde, j'ai la queue de cheval à la démo. Oh là 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 là. À démo qui a été arrêté apparemment. Ah. Ouais, free à démo s'il vous plaît. Sérieux? Non, ouais, j'ai pas démo. Ouais, il était arrêté. Arrêté pourquoi? Je sais pas, j'ai pas tout vu. J'ai m'enseigner après si tu veux. Ah, pour moi, oh, trop sympa. Je connais un ami qui connaît un ami qui le connaît. Ah ouais, ouais. Qui habite à l'Elysée et tout. Vous avez voté pour le plus béné du Il cours. S'appelle Emmanuel. Le plus béné. Emmanuel Bécon. Béné. Oh là, pourquoi tu votes. On rentre sur toi du coup. Non, mais c'est un bypass. Vu que vous avez tué le nécromancien, bah il n'y a pas d'info. Ouais. Voilà. Bah si, il y a la voyante. Ouais, mais non, il y a l'assassin quand même. Évitez que... le bypass parce qu'il y a quand même l'assassin. Écoutez, en ayant perdu deux personnes, risque de bypass là. En tout cas, s'il y a un assassin et qu'il fait ça, il est très con parce qu'il se révèle tout de suite. Ouais, mais par contre, il y a la c'est peut-être une phrase d'assassin que ça qui l'influenceur. Dire. Il y a après, l'influenceur bypass, quoi hein. Qu'est-ce que j'ai dit pour être assassin? Bah, c'est justement... C'est une phrase d'assassin. Chacun vote. Oh merde. Juste, ouais, le bypass, c'est une bonne idée, mais en vrai, on a perdu deux rôles avec info. Il y aura deux morts la nuit prochaine. Ça risque d'être compliqué si on perd la voyante et tout. Ouais, si vous voulez, on vote c'est random, ça que mais... je peux faire ça avant de mourir. J'ai juste une question. Est-ce que la sorcière, elle peut sauver des meurtres de l'assassin? Normalement, oui. Non, je sais ça dépend, plus. Mais je pense non. Si c'est les mêmes, évidemment. Le round d'avant, j'étais sorcière et j'avais que la suite désignée par les loups, pas par la sorcière. Ah. Moi, je vote ça parce que avant de mourir, parce qu'on n'a plus le nécromancien. Attends, mais du coup, si celui qui va mourir, c'est aussi de l'assassin qui va mourir de l'assassin, c'est aussi celui qui va mourir du loup et que la sorcière le sauve, mais il va quand même recrever. Oui, il va mourir obligatoirement, je crois, du coup. Ouais. Là, compliqué. Ah, on y est. Alors que ce Minecraft, normalement, c'est protégé dans tous les cas. Il y a 4 personnes qui sont votées, ça serait bien que. Ah, merci pour le clip, Molo. Bah ouais, depuis tout à l'heure, je dis que. J'ai l'impression que Mankinès a l'air d'avoir des infos, mais elle a attendu de viser Bélier avant de l'élection du maire et elle a dit qu'elle attendrait l'élection du maire pour voter contre lui. Après. On peut suivre Bélier, hein. Juste supposition. On peut suivre Bélier, ouais. On verra, écoute. Mais bon, si Bélier est innocent, Mankinès, c'est dangereux pour toi. Ouais, je sais. Et même pour moi, parce que je t'ai soutenu, ils vont peut-être penser qu'on est en couple. Bah, vous êtes en couple. Mais je m'en bats. Comme à chaque tour. Ça se trouve, elle a juste le random call. Mais putain! Super, putain! Attends, c'est une influenceuse. Ah non, d'accord. Oh, ok, on a compris. Les feux d'artifice? Pourquoi y'a pas? Mais moi la dernière fois j'ai gagné ma mission et ça a pas mis les piou piou. Ouais normal, c'est, ouais, normal, c'est une... que depuis un jour la mise à jour. Ouais. Oh je suis deg. C'est trop stylé. Au début je pensais que c'était quelqu'un qui avait activé sa soundboard. Désolé Bélier. Désolé. Mais du coup, maintenant, l'influenceur, il sert plus à rien. C'est ça. Ouais. Faut le tuer. Mais au moins, j'aurais plein d'XP à foison. Non, faut pas le tuer. Faut le garder en vie parce qu'il permet de voter. Vous êtes fous, quoi. Okay. Non, c'est juste... C'est pas parce qu'on connaît son... Enfin, qu'on sait qui c'est que... Ah non. C'est une phrase de loup d'assassin. C'est une phrase... Ça, c'est une phrase de loup de dire que c'est une phrase de loup. Ah... Putain. Guestuga, je pense que tu vas être ah bah what? Ah bah allez. Et merci la sorcière. Bon bah faut pas viser sur Guestuga. Ou pas. Ouais. Moi je suis la sorcière. Tire pas sur moi, je vois que tu vises, je m'inquiète. Me tire pas dessus. Kiglir. Fais le bon choix. Fais le bon choix, Kiglir. Si tu vises quelqu'un, demande de lui de s'expliquer avant parce que bon. Fais le bon choix, Kiglir. Ça tu sais très bien que c'est Tenza. Je ne suis qu'un mot. Non. Tu sais très bien que c'est je Tenza. Sais avec qui, avec genre, qui tu es. Pour moi, c'est pas Tenza. Kiglir, je sais que tu n'es pas seul à mourir. Bien joué! Allez, ça encore! Vas-y, c'est bon!
Bah c'est le jeu. Oh, oh non. Oh non. Oh là 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 là. Géné alors en sang. Moi je suis influencé. Alors le merde, c'est quoi ça? Avant de tirer, t'as dit et demande aux gens de s'expliquer. Toi tu tires comme ça. Oui oui bah oui il a pas fait. Il avait plus beaucoup de temps. En même temps. Il m'a demandé qu'à moi je crois. Mais bon. Il a plus eu le temps après. Parce que t'as ça c'est le plus suspect. En vrai le problème. Écoutez. Le problème parce que là je remarque on est 12 dans la game. Ça se passe pas comme ça les autres soirées. Vous êtes beaucoup à parler en même temps. Donc essayez de quand c'est quand il y a du timer qui est restreint comme ça, essayez de non de juste de pas monopoliser la parole et de laisser les joueurs jouer quoi en fait. Donc là Kylian il aurait dû parler avec les gens qui menaçaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah après bref. C'est le chasseur c'est random hein. Yasuga, t'as l'air d'être innocenté. Moi je pense que t'es la sorcière, tu t'es sauvé toi-même. Makines, influenceur. Moi, j'ai confiance en toi, Tensa. Moi, j'étais obligé de donner un peu mon rôle pour j'ai pour confiance en toi, Tensa. Donc, il y a Bob, Serzen, Maxime. Ouais. Bon, t'as les d'autres moyens de d'innocenter, Tensa, quand même. Oui, en vrai, j'aurais pas dû dire ça direct. J'aurais juste dit, je sais que tu n'es pas seul, Kiglir. Ça aurait suffi. Et c'était un peu abstrait. Okay, bon, en bref. Ok, loup brumeux. Ouais, moi, je vote random, désolé, je vote Kiglir parce qu'il était en face de moi. Je vais voter à côté de moi parce que je vais pas voter au pif, je vais risquer de tuer un innocent. Il est mort, Makines. Il est mort, loup. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Ok, Bob. T'es mort, toi aussi ? Non. Non, Bob. Ah non, putain. Ah, putain, deg. Moi, je voulais pas viser côté... Oh, bah, c'est bon, on a les loups. Ça, là, j'avais trop peur. Ouais, bah, Maxime, ça revient. Petite salope, j'avais voté pour toi. Attends, du coup, c'est... Vous pouvez gagner. Ah, du coup, t'es pas so-so, Destinien. So-so, Manes. So-so, Manes. Je méritais pas de mourir. Je comprends plus rien, moi. Bah ouais. Au moins, tu peux... Mais non, mais si voilà. C'est bon, Guestouga voyante, Makines influenceur, Maxime, Tarzan, les loups, quoi. Donc, en gros, bah... En fait, oui, on a win, c'est bon. Oui, vous avez win. Bon, c'est bon, vas-y. C'est pour ça. Go voter, Maxime. Vas-y, Makines. Ils ont pas réussi à bien brouiller les pistes. C'est Makines qui choisit qui gagne. Attends, ah non, j'ai cru qu'il y avait encore le couple. Non mais Makines, vas-y, c'est Maxime. Ah, Maxime et Serzen. Makines. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tellement bait par Tenza. Non mais oh là ! Bah, rien faire. Non mais Maxime, tu veux te défendre de quoi ? Non mais c'est bon, moi je sais qu'elle est influenceur. Il n'y a pas de loup blanc, donc il n'y aurait pas de traîtrise entre les loups. Enfin. Il a bien voyé. Voilà quoi. Là, que je meurs ou pas, on s'en fout. T'avais quand même bien joué pour la brume, Maxime. Ouais, t'as bien joué. Oh là là. Bon, là, on s'en fout. Les loups ont gagné, là. Là, c'est facile. Mais non, c'est toi. Mais non, regarde. Tu vas voir. On parie 100 euros, si tu veux. Tenez, peu importe qui je tue, le maire est contre moi. Mais oui. Mais oui. Ta gueule, Serzen, j'étais en train de faire croire à Makines qui hésitait sur Tenza tout à l'heure. Mais surtout que t'es mort, t'as pas le droit de parler. T'es mort, t'as pas à dire ça. Oh là là. Donc tous les morts parlent, putain, je suis le dernier. L'influenceur, il peut faire son connard et faire gagner les loups, c'est vraiment... T'es mort. Moi, je suis content, je gagne rien, quoi. En dernière survivante. J'enterrerai tous vos petits corps dans la terre. Merci. Tous vos petits corps et bien chauds. C'est vraiment sympa. Parce que je m'inquiétais beaucoup de me faire manger par les vers. Mais moi, j'ai plein de tentes pour moi, quoi. Tu vas pouvoir revenir. Ah bah non, il n'y a pas d'homme. Pas vraiment du village. Allez. Et merci. GG. Bien joué au village. GG. Les loups en soi. Joué. En plus, j'ai gagné avec le village et en tant qu'influenceur. Ouais. Par contre, pourquoi tu m'as tué, moi ? Bon, par contre, juste une chose, Serzen, je sais que le désolé, il est passé, mais bon, vu que Besta l'a pas vu, elle m'a bien engueulé juste derrière, quoi. Ah. Non. Désolé, Bélier. Alors, qui c'est qui était parti ? C'est Noten qui est parti ?
Alors, oui, ça déco. C'est moi qui t'ai visé, hein, désolé. Hein. Guxim, si ça tu veux revenir, éventuellement, tu peux y aller. Non, mais c'est bon, mais ça m'a juste déco de la déco, game. Il a dit. Okay. Il a juste une déco. Je crois que t'avais rien dit parce que t'avais été déçu injustement. Non, par contre, je vais dire pourquoi moi comme ça, genre pourquoi moi d'un coup. Il en fallait un. En fait. Moi perso, j'ai juste voté en face parce que j'avais peur de pas voter et de me finir sur le. Et pourquoi t'as hésité quand le jeu était fait, Makines? Ouais, j'ai. D'accord, j'ai pas compris. Elle devait se douter. Je joue tellement bien là, à faire ces petits trucs là. Et des fois, les gens ils osent pas parler tellement ils parlent que. Ah, voilà quoi. Ah ouais, carrément. Genre, j'empêche les gens de parler. Je pense à ça d'aller fouiller. Genre, moi la dernière fois. Trop d'éloquent. C'est genre, j'empêche les gens de parler. On t'appelle Cicéron dans le milieu. Appelle-moi Ogma, le dieu de l'éloquence. Maman. Comment t'es marrant, Jenny. J'étais marrant au collège, je te rappelle. Ouais, je m'en rappelle. Malgré toi. Temps, mais ça, c'était avant. Allez, bonne nuit. Comme taper, te rappelle comme taper. Bonne nuit. Yeah. Ah, pardon. Quel bâtard. Bon, par contre, les loups, tu es pas mollo cette fois parce que ça fait deux fois deux games qui meurent dans les premiers. Ouais. Pas drôle. Surtout qu'il est deux fois nécro. Non, j'étais dresseur et nécro. Ouais, c'est pareil. Mais du coup, Kidir, il m'a répondu pourquoi moi quoi. Parce que c'est le jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Jenny? Pourquoi tu dis ça, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Jenny? Ça du coup il m'a prouvé son innocence, je savais qu'il était les deux loups, bah oui, je savais qu'il était Makines, j'avais le choix entre toi et Bob. Vas-y, c'est bon, tu casses les couilles, moi j'allais faire ma meilleure game en tant qu'assassin, et toi t'arrives, tu me butes, t'es trop casse-couille. C'est le jeu, Noten. J'ai trop le sable. J'avais tué le nécro et le chasseur, j'allais être trop bien. Bon, c'est la nuit peut-être, hein. Oh, ça va. C'est une autre game aussi. Oui, mais laisse le débat de la game d'avant, vu que vous parliez tout le temps et vous laissez pas la parole. La vieille voisine de 75 ans. Hey, fini, hein. Quel connard. Putain, si tu meurs, on va m'accuser. Moi, je me rappelle. En vrai, worse. Meilleur game, j'avais envie de faire pipi. Vas-y, comme ça, le reste de la game, ça va être calme. Re, j'étais parti. Du coup, les loups ont joué ou pas? Ouais. La nuit est longue, hein. Les gens ont du mal à se décider. Et les gens, ils sont partis aux toilettes. Ça se trouve, ça bug pour tout le monde. Je sais pas, soit les mecs ils sont très loin, je sais faire du dessin. Je sais pas, Oh, mais c'est une blague. Oh putain, mais en plus dresseur, mais c'est comme la game d'avant là. On peut jouer dresseur, s'il te plaît. J'avoue que le dresseur il a fait faire des coups, je crois quoi. Mais je suis le seul qui est mort. Ah, il y a eu. J'ai envie de mourir. Ah, bah t'étais pas accusé. Ah ouais, donc les loups ont pas voté. Moi, je m'en vote, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais encore une fois, il se peut que les deux camps aient voté contre Kiglir. Et du coup, ils sont éliminés. C'est vraiment Miss Kiglir. Moi, je dis voter le dépressif, merde. C'est moi. Non, merde, dépressif, c'est moyen pour. Ah ouais, tout le monde vote pour toi. Moi, je vote pour Gaston. Oui. N'oubliez pas qu'il y a l'influenceur. Je vous aime les électeurs. On va refaire comme au présidentiel, les amis, le vote utile. Ne vous dispersez pas. Ouais. Pourquoi t'es influenceur? Mais non, le vote utile, c'est quand t'as beaucoup de petits partis à peu près du même camp, tu vois, genre de la gauche ou de la droite. Et, ça, je vous ils se disent arrêtez de voter pour vos petits candidats, on vote tous pour le même. Et comme ça, c'est sûr qu'on passe. Non, il l'aura jamais. Je suis ange. Je suis ange. Bon, faites gaffe à l'influenceur là.
Ouais. Bon, après, voilà. L'influenceur, il dérange pas trop la game, mais bon, ouais, faut se méfier. Ah, mais c'est bien de ne pas le faire gagner, l'influenceur. Oui, non, mais oui. Non, mais moi, ce que j'aime bien avec l'influenceur, c'est que ça crée le débat, quoi. Tu vois, ça pose le doute. C'est comme toi qui l'a fait gagner tout à l'heure. Ninja à la fin. C'est comme toi, Tenza, au premier tour. Oh, Makines, je crois qu'il y a des infos. Viens, on vote comme lui, comme elle. Mais non, mais parce que c'est le début de game, il faut se dépêcher de voter. En vrai, non, mais tu rigoles, mais il faut se dépêcher parce que si on n'avait pas voté, tu me dis que tu as tué les infos. La dernière fois, on a Ninja sur moi. Ah bah là, j'ai préféré au moins essayer de faire un espèce de truc en mode ouais, je pense que machin, il est coupable. La dernière fois que quelqu'un a Ninja sur toi, t'as rage quitte. Bah oui, c'est pour ça que moi, je veux pas refaire la même chose que lui. Putain, non mais plus des infos les gens. Non mais Jenny Serzen là. C'est Bélier. On fait Mubus. Il faut Mubus les deux. Il joue à Shifumi. Moi je me venge. Oui, on bypass sur le maire. Okay. Non, non, non. Attends, il y a quelqu'un qui a des infos. Oui, moi. Qui a des infos? Bah parle. Moi. Vous têtez de ça et vous allez avoir confiance en moi. Vous allez avoir confiance en moi. Quoi si, si, l'influenceur. Ouais, c'est l'influenceur de Free. Non, mais en vrai, ça peut être l'influenceur comme la voyante. Hein. Ça, il ne vaut pas. Mais bon. Ah, si, vous détestez ça. Je vous jure. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, je suis d'accord. T'as une défense? Ouais, j'ai une sacrée défense. Parce que si je meurs, en fait, si je meurs, j'en ai plus rien à foutre. Il va se prendre dépressif, par contre. Écoute, moi pour l'instant, ma défense, c'est que déjà Noten commençait à me jeter du regard, les amis. Et je pense que Bélier et Noten sont tous les deux des loups et qu'ils ont essayé de m'attaquer. Allez, c'est tué, moi je suis d'accord. Allez, c'est tué. Bon, moi j'ai rien à te dire, je me vois les coups. Pourquoi tu joues Noten? C'est quoi le mode dépression là? Moi je pense que Bélier il est juste influenceur et puis c'est tout. De toute façon, tu es moi, on perdra un innocent. Pas ça, je vais voir des moi je vais voir. Non, t'es malade. Mais toi, si je meurs, méfiez-vous de Bélier et Noten. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous allez savoir quand je vais mourir. Vous allez savoir quoi. Méfiez-vous de moi. Le premier qui se méfie de moi, tu vas voir ce qu'il va voir. Bon, il va rien voir du tout. J'ai fait plouf plouf. Hein. Ah. Bon, tu vas voir, mec. Bah, écoute, il a un fusil dans la main, Noten. Ouais, non, mais ouais, non, il va me tuer. Mais par contre, attendez, parce que je vais mourir. J'ai pas compris le call, mais du coup, Bélier, je pense que t'as essayé de me tuer avec tes potes loups la nuit. C'est pour ça que t'as fait le call sur moi. Hein. Et voilà pourquoi. Bah, tu me dis pas ta gueule déjà. Alors, allez, je mets. Hop, chérie, voilà, je vais me faire focus après. Donc. La partie est. What the fuck. Moi j'ai donné mon info, ils en font ce qu'ils veulent, mais je pense du coup qu'ils m'ont attaqué, ils ont pas pu me tuer. Mais Kiglin il a pas suivi. Putain, mais c'est quoi ce focus? Mais Kiglin, qu'est-ce que t'as pas compris? Mais écoute, je savais pas qui votait, t'étais en face de moi, j'ai dit ah, c'est tout. Non mais je me doute, Noten, c'est pas le problème. C'est juste que, en fait, je pensais que t'étais avec Bélier parce qu'il a fait son call. Il a fait son call sur moi, je pensais que t'étais avec lui parce que c'est sûr que Bélier, il a une info, mais pas parce qu'il est... Enfin, je pense qu'il est loup. Ils ont essayé de m'attaquer la première nuit parce qu'il y a eu qu'un mort. Donc, Bélier, loup. Ou alors il est voyante, mais à ce moment-là... Genre, quand Bélier il a dit, vous têtez ça comme ça, moi j'ai fait, et puis de toute façon, j'ai rien à faire. De toute façon, je m'en foutais. Moi, de base, je voulais juste tuer Kiglir quand j'allais mourir. Pour me putain, le nécro. Après, on va voir s'ils ont retenu mon info ou pas. J'ai tué Kiglir, mais... Putain, c'est l'hécatombe à côté de toi, Jay. Il avait des infos sur toi, soit je m'en foutais. Ça pue du cul. Ça, c'est le petit jeu tout seul qui habite à côté du cimetière. C'est ça. Pas d'info. C'est pour quelqu'un qui t'en fout. C'est Kalex. Ah bon, voyant, t'as passé une bonne soirée. Raison. La première nuit, il n'y a eu qu'un seul mort par l'assassin. Donc les loups ont potentiellement visé l'assassin. S'il était si sûr que ça, c'est soit qu'il est voyant, soit qu'il est loup. J'ai rien col, moi. Je suis plutôt d'accord avec Dexta. J'ai quand même dit tuer Tensa, comme ça vous saurez que je suis safe. Mais c'est pas Serzen qui a dit ça. C'est Bélier. C'est Bélier qui a dit ça. Ouais, mais Serzen a quand même bien suivi après. Il a quand même bien. Ah non, je vais rien monter. Non, mais il a suivi comme des moutons, c'est tout. Avec Tenez aussi, on a suivi comme des petits moutons. On a juste suivi comme des moutons. Moi, j'ai un petit doute. Oh le ballon. Parce que tout à l'heure, elle est passée dans le maille du filet. Putain.
et jouer un peu avec ses votes, un peu comme quelqu'un, tu sais, qui n'a rien voté. Comme, bah justement, comme quelqu'un qui pouvait pas voter, comme quelqu'un qui avait plus d'enjeux de la nuit que dans le jour. Pas du tout. Il y a d'autres raisons qui font que... Tu peux répéter parce que j'ai rien compris. Comment tu sors, tu les sors, enfin, sans dévot, hein, mais... Sans dévot, dis pas que t'es la voyante. Je peux pas dire, je... Ouais. Il y a d'autres possibilités pour que je n'ai pas d'infos. J'ai deux grosses boules, moi, là, c'est Alex. Ça va, tu bosses pas demain, c'est qu'Alex. Tenza avait déjà call alors certaines personnes, dont Cerdan. Ah bon? Non. Non, pas que lui, certes. Donc, ensuite, moi, il m'arrive de voter pour moi aussi quand je sais que j'ai aucun impact le jour. Mm-hmm. Et c'est typiquement, j'ai remarqué dans certaines parties de loup-garou, c'est typiquement la réaction de certains loup-garou qui n'ont pas d'impact le jour. Du coup, ils s'amusent à faire « non, on va passer ». Non, moi, j'attends que ça parle plus. Du coup, je sais pas. Du coup, moi, je partirais sur Cerzen, personnellement. Mais non. Je vote pas. Faut commencer à éliminer les gens, sinon ça va être chaud. Moi, je vote pas. Je vote pas pour vous laisser. Mais Tenza, il est... Ah, d'accord. C'est Bélivine. Alors là, t'as rien compris. Mais c'est pas Cerzen. Ok. Si c'est pas lui, on te bute, en fait. Ok, très bien. Mais tu sais, c'est vrai. Mais non, c'est Bélivine. Il y a les autres qui votent aussi. J'ai changé. Oh. Oh, ah dommage, non, j'ai studio. mais qu'est-ce que là, c'est pour la bonne cause, regarde. Feu d'artifice. Donc s'il est voyant, de toute manière, Bélier est quand même coupable. Oh non, genre, non. Mais non, c'est l'artifice. Mais tellement Bélier. Joué. Merci, ancien maire. En vrai, ah, l'influenceur, ouais, c'est bien, mais ça baisse les games si le mec est un loup, quoi. Après, influenceur, c'est avec le village. Hein. Ah bah dis donc, c'était rapide. Tu me mets direct la nuit. Ils peuvent encore gagner, mais bon. Et ouais, du coup, il a fait le call sur Cerzen en prétextant que c'est moi qui l'avais fait alors que j'ai jamais call Cerzen. Jamais. Ah mais rip Cerzen. Mais en plus, il a full brodé autour de ce que j'avais dit alors que je t'ai jamais call, quoi. Mais non, il pouvait rien faire. Il est gêné. Gêné, t'es influenceur. Ah, BD se fait voter. Adieu. Quoi? Ah. Bah. J'avais... Ah mais oui, putain, je commence à être embrouillé là. Oh, putain, j'ai paniqué à un moment, j'ai cru que c'était Molo et Pondinette en couple. Bah, je pense que ça se joue entre Maxime et Makines. Je pense aussi. Car Pondinette a fait un call sur Cerzen qui était loup, donc je pense pas qu'elle soit loup. Maxime il parle pas et Makines non plus. Toi, t'es influenceur. Mais je parle. Alors, bon, si Besta a fait un call sur Cerzen, peut-être qu'elle a juste voulu en vendre un de ses potes aussi. Ça t'oublie, hein. Putain, mais la blague, quoi. Ah non, il n'y a pas de doublon. Elle n'a pas d'intérêt à faire ça. Pas trop d'intérêt. Non, je parlais toute la game. J'ai entendu la voix de Bélier et la voix de Cerzen. Mais après, c'est vrai que Tenza avait dit deux personnes. Parler. Donc, j'avais suivi le call de Tenza, plus le call de... Ah, vas-y. Tenza, alors, défends-toi, Céleste, parce que... Attends, Céleste, elle essaie de se défendre parce qu'elle comprend pas le call. Je parle toute la game et on me dit que je parle pas. Alors, je vais arrêter. De toute façon, on n'entend pas. Mais ok, si, t'as pas parlé toute la game. T'as parlé quelques fois, mais t'es discrète quand même, je trouve. Bref, perdez pas de temps, laissez-la se défendre et argumentez plutôt. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Molo, est-ce que tu... Oh, j'ai juste dit au départ que je croyais que vous étiez le couple. C'est avéré que vous l'étiez pas, c'est tout. Et puis point. Molo, est-ce que t'es loup ? Ouais, c'est tout ce que t'as dit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que t'es loup ? Non, bah non, je suis pas loup. Tu le jures sur notre amitié. Je le jure sur notre amitié. Mais ma parole a plus de valeur que la tienne, donc je sais pas ce que ça vaut. En fait, Makines, quand tu parles et que d'autres gens parlent, je crois que ça réduit ton volume et on t'entend quasiment plus. C'est pour ça. Ouais. Mais ça le fait aussi des fois avec Molo. Ça vient de Discord, hein. Ça le fait aussi avec Molo. Tout à l'heure, on l'entendait full. Mais du coup, je vois pas c'est quoi les rôles communs. Est-ce que t'as pu te savoir aussi, Pondinette? Parce que elle a call Maxime qui pas Maxime Cerzen, elle a call Cerzen qui était un loup, donc à moins d'avoir sacrifié son pote. Ok, on met les deux, hein. Comme ça moi je choisis. Ouais. Molo vote pas. À moins qu'il veuille qu'on te revote. C'est pour ça que j'essaie de faire un peu l'entremetteur là, parce que c'est compliqué là. Bah je vote pas et je te laisse choisir, Jenny. Allez. En même temps, je comprends, c'est frustrant quand tu parles. En plus, j'ai pas encore fait la pendaison. Non, je suis obligé de voter parce que sinon il va y avoir un ninja et
Mais ça va être non, mais à partir du moment, si c'est Jenné qui vote dans l'égalité. Maxime, Pandinette, si c'est pas ton mec, je vote contre toi. Pourquoi t'as arrêté de voter? Non, mais là, vous vous mettez d'accord. Enlevez un vote. Mais quoi? Ah, quoi? Allez. Attends. Hein, quoi? Ah oui, la pendaison. Let's go. Hein. Il voulait pendre. Alors. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé après mon vote. La barbe, c'est plus la mode. La moustache non plus, moi, je me bâtard. Dépêche-toi, ça va choisir alors, random. T'as 9 secondes. Non, c'est moi qui vais choisir. Non, Blue. Alors, je suis désolé. Quoi? Moi? Oui, t'as trop gagné, t'as gagné doublement. Oh, le ride de l'homme. Bien joué. Bien joué. De toute façon, je sentais mal aussi. De toute façon, les deux étaient mal, vraiment. Les deux étaient loups de toute façon. Le garde, protège-moi, Maxime, il va me croquer. Je n'ai le dictateur. Pas au moins. Si ça se trouve, c'est Maxime, le garde. Non, Molo, non. Oh, le saloperie de Malo. Saloperie de Malo. Oh. Non, non, mais quel timing de merde. Oh, tu non, pourquoi t'as dit ça en plus? Ça se trouve, c'est Maxime, le garde. C'était ton problème. Non, j'avais protégé Jenné, en fait, parce que c'est le maire et c'est important d'avoir de garder le maire. Oh, je voulais voter pour Pandine pour faire une pendaison encore. Putain, le malade. Vous avez pas laissé le temps, merde. T'es mute, Maquines. C'est passé une très bonne game. Mais de vote, elle serait morte. Mon anus fait maintenant la taille de la planète tellement que j'ai été focus. Je le vois toujours à son bureau. J'en ai marre d'être loup. Maxime aussi. Ah ouais, là, ça fait trois fois là, depuis le début. Là, c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui livrent ou pas? Pour savoir. Non. Non. Dommage. Personne ne livre. Je vais faire une ou deux et c'est fini, je pense, pour moi. Ok. Il est déjà... Ah non, c'est 1h30, quoi. Okay. Allez, let's go. Qui c'est qui a fait ça? Ça c'est se passe, le pire du mec, ah, du coup, dans une ou deux games, Guxim, tu pourras nous rejoindre si tu peux. Je suis deck parce que j'ai pas pu faire ma game, d'assassin. Mais du coup, Bélier, je pensais vraiment que t'étais loup parce que tu m'avais vraiment call vite fait et je pensais que Jenné était la voyante, du coup. Mais bon. Comment vous avez fait pour croire Jenné, quoi? Tensa m'a pas nommé une fois. Ah ouais, j'ai pas nommé Serzen une seule fois et Jenné l'a dit. Ouais, Tensa, il a voté Serzen et tout. C'était une évidence qui était influenceur. Il a jamais dit Serzen de toute la game. Ouais, j'ai jamais dit Serzen. Non, non, c'était Bélier. C'est Bélier. Ah mon dieu, le jeu. Ça fait clic-clac. Ça merde dans le clic-clac. Vas-y, il m'énerve. On va regarder. Ok, ça va. Ok, Doral. Oh mais non. Allez, l'influenceur, le rôle maudit. Le pauvre, il subit, hein. Quoi? Mon pauvre Serzen, tu subis là déjà que t'es mort. Il a fait de l'huile avec ses fesses. J'ai perdu toutes les games. Allez, go Jenné. Bon bah voilà. Hein. On a notre mère. Trop sympa. Trop sympa. Allez. Pour. Allez. Tiens. T'étais vraiment. Non. Bon. Tiens. Ah ouais. Non, arrêtez. Arrêtez, vous allez me gêner, ouais. Alors, le maire, qui c'est qui a essayé de voûter, Wes? Est-ce que vous vous sentez encore? Oh, le chien. Oh, enfin. Ah, bah, en vrai, c'est chose. Le Rottweiler. Oh, pardon, Mathieu, mais j'ai voté pour toi. Non, mais oh. Sans faire exprès, hein. Désolé, ma primousse. Ok, Serzen. Bon, il y a eu un waf-waf. Oui, en gros, le dresseur a des infos. Doucement, Kiglia. Doucement, Guest Lugar. Non, mais j'ai trop le notanisé qui reste là. Ouais, trollez pas trop parce que. Doit. Bon.
Tu as entendu, désolé, Mackinus. Pas compris. C'est la race. Ah, Terzen me dit dans l'oreillette que son, sa mission c'était de tuer Bélier. Ah. Allez, on va l'aider. Bon, bah voilà. Allez. Tu veux pas essayer de le tuer, s'il te plaît, il me dit. En hommage à Terzen. Allez, allez, en hommage à Terzen qui est mortellement. Non, en vrai, moi, contrairement à David, contrairement chaud, à David, vrai, gars, non, ça non, va non, faire gagner non, non, non. XP. Allez, allez. 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 Il va pas mourir. Allez, allez. Non. Allez, Jenny, on attend allez, que toi. Jenny. Non, les gens je crois en fait, que Jenny est en couple. Jenny est en couple. Jenny est en couple. Non, les gars, mais non. Non, mais non, pour non, non, non. Non, je suis en couple avec lui. Non. Ah, t'es pas en couple avec lui. Merde, désolé, j'ai changé vote sur toi, Maxime, sur l'XP, mais bon, t'as répondu. Allez les feux d'artifice. Allez. Non mais il est mort, ça marchera quand même. Mais d'où? Oui, attends. Oui, oui voilà. Oh yeah, baby. Oh mais Starzen. C'est pour toi l'éjaculation de paillettes. Oh putain. Oh putain la chatte qu'il a. Il s'est mis dans des pieds là, ça ça. Oh, là, c'est vraiment double bonus quoi. Mais tout ça parce qu'il a fait call dans, sur le chat de Tensa quoi, c'est un peu de la triche. Bah ouais malheureusement ouais. Mais moi je pensais que du coup on allait pas le faire, tu vois, ça, c'était genre en mode bah il est mort, on a l'info et puis on vote pas pour lui, mais là, en hommage à Terzen. Oh le pauvre. Mais là c'est vrai. Il est déçu là, je pense. Choqué, déçu. Ah, putain. Une fois que je me suis vengé, là il faut que ça tombe sur moi. Ah oui, parce qu'en plus c'est toi qui as tué Terzen. Ah bah oui, du coup je viens de comprendre. Ok. Oh, c'est la sorcière. Oh là là. Non. Mais t'aurais pu me sauver. Oh non. Ok. Mais non, la sorcière, elle a sauvé Jenna, non ? La sorcière a déjà, plus... m'a déjà sauvé. Ah oui, c'est vrai, mais en plus, je sais qui c'est la sorcière. Petite pute, va. T'entends la sorcière ? Le chien Pierrot, pas quelque chose. T'entends la sorcière, ouais. Puis the magic in the air. Ok, petit pote. Allez. Ça veut dire que Bob. Ça flaire encore. Bob et Lou. Bah oui, ça flaire, mais. Bob et Lou. Molo, faut qu'il fasse un call. Molo, fait un call. Molo, molo, fais un call. Fais waf waf au moins. Fais waf waf, molo, la chienne là-dessus. Si c'est vraiment molo, ton sœur. Waf waf. Jenny, bizarrement, t'as plus de pressentiments hein, depuis que t'es plus influenceur. Hein. Malheureusement, j'ai plus de. Plus ouais, de donc ouais, il y a Tensa, il a voté molo cax. C'est sûr, c'est molo. Je l'ai entendu hier, il a dit molo. Il l'a dit dans son sommeil. D'ailleurs, molo, tu parles pas. Qu'est-ce qui se passe, molo? Tu veux en parler? Bah, le fait que Noten, tu parles pas. Noten, il dit que je suis dresseur et j'aimerais bien savoir pourquoi il fait ce call-là. J'ai compris ça. Bah alors, Noten. Moi aussi, j'ai entendu ça. Bah alors, Noten, quelque chose. Bien joué, Molo. Par contre, s'il est dresseur, c'est Bob. T'as dit que t'es dresseur, c'est Bob. Hein. Voilà. Bah, ça peut être toi, Jenny. Lol. Ça peut être moi. Lol. Amour et tu es. T'es peut-être un sang de bourbe. Vous avez compris ce qui vient de se passer ? Molo, Noten n'a vraiment rien dit, mais il a prétexté ça. Moi aussi j'ai entendu Molo, mais bon, je pense que ça devait être un. Je pense que c'est une hallucination collective. Au bien, ouais, les gens. Regarde, là aussi tu vas halluciner, moi je te le dis. Les gars, au pire, si Molo dresseur, on sait qui c'est. On sait qu'il y a au moins un. Bah, ouais. Je sais, vous inquiétez pas. Je sais que j'ai écrit deux fois. Ouais. Je prépare, regarde. Non, mais je l'ai écrit une ça fois. Ça peut être Bob ou Mackinès. Pas moi. Moi, je pars sur Molo Dresseur. Bon, ça part du principe en que gros, Molo est dresseur. Moi, je pars pas sur Molo Dresseur. Ça peut être moi ou ça peut être Mackinès aussi. Hein. Moi, je pars sur Gaston ou Jenny le Buster. On peut. C'est Bob. Il a waf waf avant. Ouais, mais ça peut être aussi Mackinès. Non, c'est Jenny le Dresseur. Parce que il a aboyé le premier tour, moi alors que Mackinès n'était pas encore ma voisine. Moi j'ai dit, ouais, vu que ça a dit dès le début. Bob est mort. Oh, oh. Au revoir Bob. Bob le loup. Bon, d'accord, c'est Molo le dresseur. Molo et Sacha. J'ai rien dit. Sacha, moi j'ai rien dit. Hein.
Il avait voté contre qui? Molo, on l'a dévot sans qu'il se dévoue. Mais oui, Molo, il va se faire griller le tour d'après. Là, il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Non, c'était rapide. Bédi, la nuit fut courte. J'ai encore les yeux collés. Les merdes. Ah. En couple avec Molo. Oh. Oh. Ah bah c'était le dresseur. Hein. Bah, tous les calls que j'ai fait au Nécro. Moi, je suis pas méchante. Ça servait à rien. Voilà. Tous les calls que j'ai fait au Nécro, ça servait à rien. Ils sont tous morts. Oh, il y a une balle qui a bougé toute seule. Moi, j'étais à côté de Molo. Ouais, il était dresseur. Ça a pas aboyé pour moi. Ouais, ça. Ouais, ouais, non. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bah moi franchement je veux dire il y a potentiellement, mais c'est vraiment très peu probable, Mackinès en loup, mais après c'est vrai qu'elle peut être pas être loup, donc c'est totalement la merde si je dis. Est-ce que tu assumes son genre Kigler? Non. En vrai je pense pas que ce soit Mackinès. Qui était loup et du coup il est mort et ça. Enfin, je peux pas dire que la voyait que pour lui, mais en tout cas, je sais que je suis pas méchante. Moi, je pense que pour moi, Mackinès est assez safe. Merci. Je pense que c'est... Ne serait-ce que parce que Molo, ouais. Moi, le seul truc que je sais, c'est que Mackinès est safe. Par rapport à la logique. Ah, comment tu pourrais être sûr de ça? Il y a une personne qui a des infos. Bah, véritablement. Par rapport à Molo, en fait. Par rapport à Molo. Bah, après, non, ça n'analyse rien. Ça pourrait très bien être les deux qui ont été détectés. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je pourrais pas dire. Oui, pour moi, mais là, okay, je savais pas que ça marchait. Là, concrètement, il y a peut-être potentiellement qu'une seule personne qui a des infos. C'est le nécro. Le seul problème, bah, j'ai envie de te répondre, c'est que le nécro, il avait des informations que par rapport à la voyante. Donc, à moins que la voyante ait bien fait son boulot et a déjà donné les infos. Pour l'instant, s'il n'y a pas d'informations, il a pas la 4G dans la forêt. Non, c'est pas Molo. Attends, c'était qui la voyante? C'était ça. Non. Qui a dit ça? Le Ten. Bah, c'est que t'es méchant alors. Non, mais j'ai l'impression. Alors, ne vote pas contre moi. Ouais, mais moi, je sais pas que t'es safe. Non, mais malheureusement, c'est ça, les innocents, on est en mode. Bah, je peux rien dire, moi, je suis. Les innocents, toujours. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les innocents, on est en mode. Bah, alors, ne vote pas contre moi. Ouais, franchement, en vrai, c'est vrai que j'ai une confiance en l'hôtel parce qu'il avait eu un bon call sur Molo. Non, mais il a rien donc, dit. Donc, j'ai envie de dire quand même, si. Oh, bah. Ah, bah. Ouais. Allez, hop, Mackinès. Moi, je pense que c'est Mackinès ou l'hôtel. Oh, elle a 3 votes. Attends, la roue du destin, j'ai tourné ma souris très, très fort. J'ai voté contre qui là? Mais pourquoi? Mais je me venge. Ah, bah, au revoir, qui vient. Votre Maxime, je pense. Non, les écoute pas. Je vais faire le bon choix, Mackinès. 5 secondes! Je vais faire le bon choix. Et pan dans Gasouga. Non, mais tu. Non, putain! Oui, désolé. Il se fait daronner d'aller au lit maintenant! Mais le seul moyen de régler ça, les petits potes, c'est de lui acheter un micro qui fasse le taf et ça coûte des sous. La mienne non plus. T'as un Maxime qui est Allez, Noten, fais-moi confiance, j'ai vu Gestoga voter en direction de Mackinès. Je sais et que c'est. Moi, je l'ai vu voter, Maxime. Il a mis son brouillard immonde et impie. Moi, Noten, j'avais quand même une santé Mackinès. Maxime, lui, voulait voter contre elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi, je sais que c'est Gestoga qui a voté contre Maxime. Voilà. Ouais, Gestoga est louche, mais je fais confiance. Mais bon, Maxime est quand même moins... Feel the magic in the air. Allez, les morts. Merci les morts. Merci de m'avoir accompagné. Ah. Non. Mais il dit qu'il était nécro, quoi, en gros.
Bah, j'aime bien parce que j'ai donné les infos que j'avais en tant que voyante à Maxime, du coup. Et tous ceux que j'ai notés, ils sont morts, en fait. Bah oui, je me suis dit, bon, bah merde, fais chier. Non, j'avais dit, Genesos, sorcière, Molo, dresseur, du coup, Bob est mort, mais Bob était déjà mort, et qui c'est qui meurt juste après Genesos et Molo? Jessica Noten. Ah oui, attends, je l'avais mute. Les morts, ce qu'ils disent quand le maire meurt avant de choisir le rôle, enfin le nouveau maire. Dès que le maire est mort et qu'il doit céder sa place, les morts qui ont des infos, ils peuvent le dire tout de suite. Il y a Dozit. Les Dozit. Bah, Duxim, tu m'en veux pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, fais un ticket pour report le bug. Après, je sais pas si c'est un bug. Pour moi, c'est un peu cassé. Je pense que ça soit un bug. C'est une fonctionnalité du jeu. Pour une fois que c'est utile, Nécro. Mais là, on parle pas de Nécro, Jenny, on parle du maire qui a les infos au moment où il. Oui, parce qu'il est Nécro. Non, j'étais pas Nécro, c'était. Nécro ancien. Ah, il était pas Nécro. Sinon, mon bluff aurait marché, c'est sûr. J'allais retourner des cerveaux, mec. J'ai mis la brume au bon moment. Oui, non, mais je t'ai vu faire. Malheureusement, Guestoka, j'étais à côté de toi. Je me retourne, je vois quoi? Je vois Guestoka qui fonce direct vers Makinès. J'ai fait, ah bah dis donc. Guestoka, c'est-à-dire que c'est toi qui m'as tué deux fois? Je peux. Non. J'avais hésité entre Guestoka et Kibir parce que mes tours étaient tout direct violent envers moi. C'était random. Et le deuxième, on n'a pas voté. Ah, mais j'ai plus à boire. Kibir et Serzen, ils ont quitté. Serzen qui a quitté. Bah ouais, dans les deux cas, c'était les loups alors. J'avoue qu'à la fin, j'ai vraiment hésité avec Maxime et Guestoka. Je crois que Serzen a une déco. Salut Dozit, au passage. Salut Dozit. Et Kibir, c'était sa dernière puisqu'il s'est fait Daronhead. Ouais. Je voulais dire bonne soirée. Je laisse ma place. Bonne soirée, ciao. Maxime va revenir. Maxime, il est sur Folie. Et en tout cas, avec la banane, on peut se représenter de ce truc là. Tu te cours. Alors, rejoindre une partie. Tu prends un coup, il y a Guxim qui peut venir, non? Mais j'ai une question. Vu que tu peux mettre des nouveaux rôles, il n'y a que l'assassin qui a été rajouté en termes de rôle. Attends. C'est tout. Excuse-moi, tu m'as dit du coup. En termes de rôle, il n'y a que l'assassin qui a été ajouté. J'ai rien changé, c'est la même compo depuis le début de la soirée. Non, mais dans les dernières missions. Non, mais dans le jeu en général. Ah, oui. Et il y a eu l'amélioration sur l'influenceur d'animation aussi. Okay. Et du coup, Dozit, je sais pas si tu l'as entendu ou pas, mais quand t'es mère et que tu meurs, tu peux savoir si ce que disent les morts. Voilà. Ah! Attends, le maire, il a aussi une propriété. Attends, de non, mais si, mais non, mais si, non, c'est des mères. Je vais m'écouter dans le chat des morts parce qu'il est mort. Mais en même temps, tu peux céder ton rôle. Enfin, tu peux céder le nouveau maire. Du coup, en gros, les morts, ils peuvent te dire qui mettent en tant que maire. Ah, donc vraiment, on peut dire maintenant, nique ton mère, quoi. Disons que la dernière partie, ça a été très utile, parce qu'en gros, ils savaient pas entre Guestoka et moi, puis finalement, ils disent, les morts ont dit, c'est Maxime, ouais. Nécro fonce, quoi. Ouais, du coup, je me mets vite fait, sinon je vais jamais pouvoir dire, mais du coup, Turtle, ouais, j'ai switch Guxim, parce que du coup, il attend depuis plus longtemps, et il était là avant, mais du coup, s'il y a une place qui se libère, je peux switcherai Turtle. Qui a décidé et en plus, mais par contre je sais pas vraiment si c'est le random parce que j'ai cliqué en même temps, donc je sais pas si c'est le random ou si c'est moi. Moi j'ai Guy, Guestoka et Louche. Si je meurs, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce si qu'il je meurs, je vais goumer Gaston. Mais qu'est-ce que ça veut dire toute cette haine? Non, c'est de tête, il a dit il va me goumer, donc si je meurs la première, on sait qui est le goumer ou qui est la sauce. Ok, Goomer. Non mais dis pas ça, Bestal. Tu vas passer au premier tour, on va tous accuser d'Ozzy. T'arrêtes. Mais il veut se venger de la dernière fois, il a le droit. Bah Dozit, écoute, j'ai envie de te dire que innocent ou pas, tu vas mourir le premier tour. Non, par contre, moi ce que j'ai aussi droit au fameux bélier qui a bien ragé dans le chat des morts à cause de l'influenceur. Cool. Non mais Serzen, c'était magique. Molo, il a recommencé à faire des squats ce soir ou pas? Non. Non.
Ce bug là, je l'ai vu qu'une fois dans le jeu. Bon, attendant que vous lancez, je vais report le bug. Hein. Vas-y, vas-y. Mais Serzen, je crois que c'est vraiment le son de. Attends, Besta, je l'ai baissé donc. Ah non, 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 Besta, on l'entend pas fort et je crois que Guxim non plus. Moi, j'ai baissé mon son de sortie pour que ça sature moins. Donc c'est normal. Okay, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je sais pas où est-ce qu'on reporte des bugs, mais je vais faire. Alors attendez. Moi j'ai. Déjà, je restart ça. Moi, j'ai baissé aussi, mon son. Depuis que j'ai les écouteurs, j'ai baissé un peu le son de ma carte son. Normalement, il n'y a que moi qui l'entends. Ça, ça change rien normalement sur Windows, mais parce que du coup, j'entendais trop fort les choses. Ah, mais sur le live, ouais. Sur le live, c'est baissé aussi du coup. Bah, je sais pas mais du coup. Enfin ouais. Bref, c'est pas grave. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui, oui. On retestera. Certaines, tu m'en diras quand j'aurai récupéré mon casque si tu entends mieux ce qui se passe sur le live. Du coup, ouais. Ah, je t'ai baissé de 10% du ça. Ça va, Molo? Oui, c'est parce que c'est on va faire un test. On va faire un test, Arzen. Écoute bien. Vas-y, Molo, parle, dis une phrase, ce que tu veux. Je veux augmenter progressivement. J'encule des mouches. Ça sera évidemment repris en clip hors contexte. Que c'est mieux là. J'y prends du plaisir. 1, 2, 1, 2. 1, 2, il encule des mouches, il prend du plaisir. Le son est à fond. Allez, je clip, Molo, c'est gratuit, c'est pour toi. Ah merde. Ok, et maintenant je vais rebaisser un volume plus normal pour mes écouteurs de mort. Pareil ? Ok, bon bah alors c'est pas ça. Allez, c'est pas grave, on lance. Non, il disait pareil, Serzen, parce qu'il aime bien enculer des mouches aussi. Ah d'accord, ok. Non mais t'excuses pas, Serzen, au contraire, c'est bien, il faut me dire ce genre de choses, mais il faudrait que je compare avec d'autres streams. Aïe, 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 aïe. Je sens que ce soir, je vais faire tous les rôles possibles et imaginables. Bah, c'est un peu l'aléatoire, c'est ça qui est bien. Bon, allez. C'est qu'il a l'air de bien aimer. Tout le monde peut rejoindre le jeu. Nous, on m'entend un peu. Tout le monde peut rejoindre le jeu du moment que voilà, tu es sur Discord et qu'il y a de la place, évidemment. Voilà, c'est une file d'attente. Comme Turtle l'a dit. D'ailleurs, Turtle est dans la file d'attente. Dès qu'une place se libère, il prend la place. Merci, merci de l'assassin. Ça... Va te faire foutre, sale enculé. Ah, c'est bon, merci. Bon, bah, Noten. Profite de. J'ai dit. Non, je voulais dire au loup, va te faire foutre, enculé, parce qu'il m'avait voté. Pas à tout le village, je suis désolé. Bah, et merci à la Toso. Attends, j'ai pas compris. La sorcière a tué le loup brumeux. Non, 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 c'est l'assassin. L'assassin. Quand tu vois des petites dagues partir là. C'est l'assassin et Noten s'est fait tuer par les loups, enfin il s'est fait focus et la sorcière a sauvé. Voilà. Déjà petit. Est-ce en que vrai, quelqu'un aurait pas des soupçons sur quelqu'un d'autre ou aurait pas à dire quelque chose avant le bypass? La seule personne qui a parlé depuis le moment, c'est toi. Bah, c'est pour ça que je laisse la parole au village. Qu'est-ce que tu gagnes, un problème de nuque. Hein. Bélier faisait ses étirements. Oh la bélier. Bélier, il fait une crise d'épilepsie. Faut être. C'est quoi ce bruit? Merde, je
j'ai regardé depuis combien de temps on y jouait ce jeu. Depuis qu'il est sorti, en fait. J'avais même essayé de gratter des clés auprès des développeurs, ils m'ont jamais répondu sur Twitter, les petits bâtards. Les TDRT kits ont fait les devs. Ça fait un mois, alors c'est le 25 juillet, donc un mois et demi qu'on joue à Agro. Et j'ai 63 heures de jeu perso. Moi, je pense qu'on peut partir sur un bypass. J'ai bah, en vrai, là, on peut se permettre un bypass. On a, il y a déjà un loup en moins. On a, d'ailleurs, il n'y a qu'un loup qui est mort. Et puis, ah, Vesta, tu shotes qui ? Noten. Non, c'est un bypass. On bypass. On bypass. En fait, ah, d'accord. C'est... Vas-y, laisse ton vote. En gros, c'est juste pour le timer. J'ai encore des choses à apprendre sur vous. Vas-y, on le vote. Il y a un influenceur, les gars. Géné, mais non. Géné, tu fais quoi ? Mais non, mais non, mais non, mais tu vas mourir de gêner, du non, coup, enlever. Oh là là. On s'en fout de l'influenceur. Je suis désolé. En vrai. Ça. On s'en fout. Gêné, t'as eu la chance de le retirer deux secondes avant. On voit moins. Il n'y a que Kiglir qui est assez une salope pour faire son truc d'influenceur. Merde, quoi. Ah. Terzen, c'est beau ce qu'il dit. Il a dit, j'y ai pas beaucoup joué, mais ça vaut le coup, c'est sympa. Alors qu'il s'est fait hard tuer comme un bâtard en 2-3 games. Oui, mais a raison. A raison. A raison. Sauf quand il est mort influenceur T1 par l'assassin. Je me demande si c'est pas ironique. Du coup, je me demande si c'est pas ironique. Non, non. C'est un jeu de merde, j'avoue. Voilà. Oh non, désolé, Cersen, mais bon, force. J'ai envie de bailler, putain. Je résisterai. Et là, dans 10 secondes. Je n'ai pas envie de bailler. Ah. Quoi ? Quoi ? Fils de pute, je n'étais qu'amour. Je n'étais qu'amour. Oh, bien joué la sorcière. Tu pouvais mais pas me trouver à la place, sorcière. Son rôle, c'est bugué. Donc la là, sorcière les se font enculer. La sorcière a préféré ne pas me sauver, d'accord, et faire un call. Ah non, mais la sorcière, elle m'a déjà sauvé. Elle a déjà, ouais, elle a déjà sauvé Notain. Non, ouais, non, elle peut pas sauver les... Alors, le village, écoutez-moi, les deux derniers méchants, soit ils sont à ma droite en partant il y en a un. De la tombe, soit c'est une personne à ma gauche. Mais en tout cas, c'est soit les 4 personnes qui sont à ma droite, soit une personne qui est à ma gauche. 4 personnes qui parlent. Quoi ? C'est qui parle ? Non, c'est Noten, c'est votre mère. Pierre, c'est. Donc en gros, ton call, c'est Dozit, Jenny et Gastuga, c'est ça ? Non, Bélier, en gros, les quatre que je soupçonne pour l'instant de mon côté droit, c'est Makines, Bélier, Gastuga, Jenny. Et de mon côté gauche, bah, je ne dirais pas qui est la personne que je soupçonne. Ah, c'est Dozit. Ah, tu l'as dit, c'est Dozit. Non, Dozit, je ne le soupçonne pas. Dozit, je ne le soupçonne pas. Ok, ouais, donc Guxim, du coup. Guxim. Non, pas Guxim non plus, tu vois. Ah ouais, bah c'est une sacrée couche alors. Alors, Bob, du coup. Alors, je soupçonne Bob, Molokax, Makines, Bélier Métalleux, Gastuga, Dianezos, Noten et Dozit. Ah. Je me soupçonne aussi dedans parce que je ne peux pas dire que je suis safe. Bah, donc, t'as aucune info en fait, Noten. Dis-le. Si, j'en ai, mais j'en ai peut-être pas. Si... Mais ils soupçonnent trois serveurs à la suite. En tout cas, attendez, dans mon oreillette, j'ai les mecs du serveur qui est juste en dessous de nous dans la liste des serveurs. Ils disent qu'eux aussi sont focus par Noten. Par contre, j'ai un. En vrai, moi, j'ai un indice comme quoi Noten n'est pas. N'est pas loup-garou. Oh, non, est-ce qu'il a je sais, j'ai des infos aussi. Ah, ça, par contre, je sais pas. Du coup, je pense qu'on peut partir sur un vote à gauche. Faites vos choix. À gauche ou à droite ? Ouais, moi, je la gauche, un vote côté, à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma droite. Oh là là. Ah, donc en gros, tes calls, ils sont complètement à refaire. Oh, t'inquiète pas, ils sont pas random. Ils sont pas random. Bon, moi, c'est je vote gêné parce qu'il est à mon extrême droite. Mais espèce de raciste. C'est qui a voté ? Personne n'a voté encore. Moi, personne n'a voté. Par contre, celui qui fait un ninja, c'est un ninja. Vraiment, il y a un ninja. Noten, il fait des calls, mais il les applique pas lui-même, du coup.
En tout cas, autour de moi, c'est pas loup-garou. De toute façon, je m'en fiche, on peut... on n'a pas vraiment besoin de voter, il reste que deux méchants. Ah oui. Et Non, mais moi, j'en vois quand même. Ça part vite, hein. 2 kills par nuit, gros, ça part vite. Hein. J'avoue, mais je... Non, mais je poserai ma question à la fin de la game. C'est Morgan dit Assassin's Creed. Assassin's Creed. Je sens que je vais mourir. Pas mourir. Ouais. Ah bah d'accord. T'es souvent chasseuse. Hein. Incroyable. Ouais, moi aussi j'ai marqué. Ok, alors Maki, fais-moi confiance. Maki, fais-moi confiance. Tu bon, sois bélier, Guestoga ou Jenny. Par contre, mes colis partent pas sur des, fausses pistes. Hein. Par contre, je te jure que c'est les trois personnes à ma droite. Hein. Ouais, mais ils sont d'une précision, tes calls, c'est un délire. Bah, il s'est dévoué en fait. Il s'est dévoué. En fait, à partir du moment là où j'avais dit je mettais des vœux au premier jour, genre tout à l'heure, j'ai fait vas-y, c'est bon. Ouais, mais là, sur. Je mettais full c'est comme dévo, tu le sens, donc. C'est comme 4 secondes. Bien joué. Je suis désolé, à partir du moment là où je me suis full dévo, j'ai totalement pété la game. Je suis trop désolé. Par contre. Ouais, moi, je me suis dit que c'était le chasseur. Mais bon. Ah, bah, chasseur, je l'ai fini. Non, il y a encore l'assassin à trouver là. Ah putain, allez, là, vous faites ton taf. Mais non, mais combien mais... Pourquoi on vote? Pourquoi qui vote qui? Pourquoi on vote? De toute façon, en vrai, je sais pas du tout. À partir de. On tue un call de notaire. Oh, mais vous avez rien sur moi. Ouais, mais j'ai peut-être. Tu sais pas qui je suis, moi. Mais Bélier, j'ai peut-être rien sur toi, mais j'ai. Molo, pourquoi tu votes pour lui? Bah, je suis le call du maire, sachant non, que. Mais, non, mais Molo, Molo, faites-lui confiance. Molo est gentil. Je ne sais rien du tout. Molo est gentil. Oui, moi, je suis gentil, mais. Moi, je n'en sais rien du tout, mais on dit qu'il est gentil. Oh, non. La question, c'est est-ce qu'on se reste sur Bélier? Moi, je dis, go rester sur Bélier. Bélier, est-ce que tu as une défense? Bélier, est-ce que tu as une défense? Non, c'est grâce à moi que le maire est là. Quoi? Hein? Quoi? Voilà. J'ai rien compris. Okay, c'est grâce à lui que le maire est là. Guestuga. Le maire a encore envie, c'est grâce à lui. Quoi. Moi, je sais juste que c'est pas dans l'intérêt de Dozit que Guxim meurt. Pourquoi ça serait pas dans l'intérêt de Dozit? Et pourquoi ce serait pas dans mon intérêt? Bah, parce que s'il meurt, il se passerait des conséquences lourdes. Mais vous êtes con à voter pour moi ou quoi, là? Vraiment? Non. Comment je pourrais avoir ce genre d'informations? Noten, pourquoi t'as changé d'avis? Bélier m'a dit quelque chose. Moi je crois Guestuga. Bélier fuck, mais arrêtez d'être con. Wesh. Mais... Oh, je... Et puis, j'en sais rien. Non, il me sort. Guestuga, qui parle déjà? Moi, ce que je veux savoir, c'est qui. Qu'est-ce que t'en sais, Guestuga et Noten? Parce qu'il a sorti une info qui est assez importante. Parce que ce que je dis, je ne serais peut-être pas en couple avec lui par hasard, Just Dozit. Bah, non, mais non, il vient de call, justement, il a call voilà, une personne avec qui potentiellement j'ai pas trop d'intérêt que cette personne décède. Enfin, après, si vous jouez, c'est pas Guestuga. Enlevez vos votes de Guestuga, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais ouf! Mais ouais! Arrête de voter pour moi, Noten, what the fuck! Mais Noten, t'es louche en vrai, hein, à insister comme ça. Oh, il comprend plus. Et toi, tu le défends vraiment trop. Ouais, tu le défends vraiment trop. Mais bon, en fait, mais ouais, vous êtes juste con. Ouais, je vais arrêter de jouer à chaque fois. Ouais, c'est pareil, frère. Comment je peux être méchant avec ce que j'ai dit? Mais j'ai même pas entendu ce que t'as dit, moi, donc je savais pas. Alors pourquoi tu votes contre lui si t'as pas entendu? Ça me saoule. Que des bonobos à chaque fois. Eh, m'inclus pas dans le tas. Mais non, mais Dozit. Non, bon, heureusement que t'étais là, wesh. Dozit, il cherche pas des excuses, il a compris tout de suite.
le rôle de Gistuga. Et là, par contre... On s'en fout du couple, pour l'instant. Fieraliste. On s'en fout qu'il y a un là, couple. Là, maintenant, il y a un coup, c'est du pain béni pour... pour la l'assassin. Le plus important, c'est de d'abord trouver qui est l'assassin. Mais je suis trop... Après, s'il est en couple avec, bah, là, c'est un problème. Oh non. Là, pour l'instant, on sait pas. Oh non. C'est bon, mais... J'ai été trop con tout le long de la game, en fait. Oui. C'est un truc de ouf. Oui. J'ai rien d'autre à dire. Oui. Quoi ? Quoi ? Oh, Luxime, une défense ? Mais wesh, non, wesh, non. Écoute, ma défense, c'est que j'ai certaines odeurs. J'avoue, on va... Qui me sert à vous analyser. Alors, je suis pas contre viser deux hits. Mais bon, vous me faites pas confiance si je vous... Je pense que tu t'es trompé de rôle, mec. Ah bon ? Quoi ? Non, toi, tu comprends rien. Et dans mon, dans mon chat, on propose un petit jeu sympa, si vous voulez. Devinez le taux d'alcoolémie de Noten. Allez, faites vos paris. Moi, je dis 2,5 grammes. Mais non, mais il est tout le temps comme ça. Mais je bois pas, moi je suis à la fatigue. Moi c'est ma drogue, c'est ma fatigue. Ouais, mais là t'es vraiment fatigué, gros. Oh. Mais je suis fatigué tout le temps. Non, mais Noten, tu viens de dénoncer tout le monde. T'as dénoncé tout le monde, en fait. Si tu veux, je peux dédénoncer tout le monde. Hein. Oui. Dédénoncer ça, Noten. Bah, si tu veux, on me vote moi. Hein. Moi je suis pas contre. Hein. Si on me vote moi, mec. Comment ça, t'es pas contre ? Qui dit qu'il a épuisé son crédit ? Ouais, bien sûr que tu serais contre. Bah si t'es assassin au villageois, tu serais contre. Moi, j'écoute le village. Si le village veut me pendre, je me pends. Hein. Le vote du village compte avant tout. T'as aucune défense. Pas d'osite, c'est sympa. Et t'as aucune défense, du coup. Moi, bon, si, j'en ai juste... J'en ai juste rien à foutre. Elle est quand même extrêmement vague. T'as accusé tout le monde, t'as pas de défense. J'avouerais que c'est quand même un peu suspect. Bah si tu veux, vote-moi Guxim, mais attends, par contre... De toute façon, est-ce que j'ai le choix ? Bah, moi, je tiens ma vie, je suis désolé. Bah vas-y, hein. Je vais rien dire, mais Dozit, c'est un peu con quand même cette game, hein. Je veux pas dire, mais... Pourquoi moi, maintenant ? Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi ? En plus, tout à l'heure, j'ai dit que t'étais innocent. Enfin, que oui, mais ça, je suis pas contre. Mais je te dirai après pourquoi. Je te dirai après, mais je poserai après ma question. Mais j'étais trop con, en fait, cette game. C'est un truc de ouf. Bah, de toute façon, tu es moi, mais... Merde. Ouais, non. Par contre, Dozit, t'as été trop con. J'en peux. Mais toi, mais toi, le premier, gros. Réfléchis pas. Mais bien sûr que c'est... Et par contre, attends, je vais te poser la question dans le chat vocal. Mais Tensa, du coup, genre, le dresseur, il dénonce pas l'assassin. Mais non, non. Attends, parce qu'on m'entend. C'est quoi ce bruit? C'est le syndrome du dos de cuisse. Ah merde. Gros, je t'explique. Ah, bravo. Normalement, Dozit. Just Dozit. Dozit est dresseur. Normalement. Bon bah... Oui, mais Dozit est très sûr, mais quand Guxim, il a dit qu'il avait des poils et qu'il... Fin, il a, fin, mais parce que lui... Il avait un truc pour connaître le rôle des autres, Guxim, il n'a pas réagi. Bon bah désolé, hein, désolé, Bélier, tu es une... Non, mais il est assassin, Bravo, Dozit, bravo. J'ai vu. Ah, c'est ton coup, Mais Noten, il m'a... Mais mon dieu, on va débriefer vite fait là. On était... Wesh. Donc, bravo, parce qu'on était 7 de fou. 6 villageois. Wesh, il a fait des calls hasardeux, wesh. Il y a eu... Merci Noten. Il y a eu... Les trois loups sont morts. Je sais pas comment bravo ça se fait, mais je sais pas comment t'as réfléchi, gros. Bravo. Mais en gros, du coup, Noten, le... Gestuga était nécromancien, il avait les infos sur le couple. Tu t'es pas dit, tiens, le Cupidon est mort, il a peut-être donné des infos au nécromancien. Dozit, il a compris instant. Et il a rien dit, mais il a juste dit, je fais confiance à Gestuga, il a des infos. Mais en fait, je pense, vu que j'ai parlé en même temps... Et regarde, quand t'as dit, Dozit, comment dire,
En gros, Dozit, il avait à un moment donné, il a donné une info pour dire qu'il était dresseur en disant, je sais que mes deux voisins. Mais de toute façon, en fait, je vais t'expliquer parce que en gros, tu t'es demandé pourquoi Guxim avait aussi dit ce rôle-là. Bah, tout simplement, il a pris le rôle de son couple, enfin de son amoureux entre guillemets, pour se défendre. Ah. En fait, puisque personne n'allait lui contredire ça à part Dozit, et Dozit, il veut pas qu'il meure. C'est de la chance. Chance parce que je n'étais pas au courant du rôle de Dozit, ce qui n'était pas le cas de Carissa. J'étais pas au courant du rôle de Guxin non plus. Sérieux, vous avez pas communiqué sur ça, ma gueule, en gros, tu vois. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Pour que vous sachiez, on n'était plus que 4 quand Dozit a appris que j'étais l'assassin. Et je viens d'apprendre, grâce à Tensa, que Dozit était dresseur. Voilà. Mais what the fuck, mais sans deck. Mais communiquer. Quand vous avez. Mais ouais, j'ai un chat. C'est la première. Du coup, on l'a fait. C'est la première chose qu'on fait. T'es quoi, t'es quoi. Attends, d'abord, je vais t'expliquer ma game. Tu fais quoi dans la vie, mon chou? Mais t'es ça, tu vois. En gros, T1, j'ai check Dozit et j'ai vu qu'il était dresseur. Et du coup, après la nuit, j'ai vu qu'il n'avait pas de grenier. Pour moi, ça avait innocenté Guxim. Mais sauf que, je me demandais aussi si ça ne disait pas aussi l'assassin ou si ça le disait ou pas. Et c'est toi, Tensa, qui nous dit qu'il a mis Dozit et moi en couple. Bah oui. Et en gros, tu vois, à partir du moment là où j'avais totalement dévo, bah en fait, je savais plus quoi faire de la game parce que j'avais totalement dévo et je pensais. Mais gros, en plus, t'as dévo, mais t'as accusé 4 personnes à côté de toi, genre t'es trois. T'as accusé la moitié de la game. Mais ouais. What the fuck. Moi, il m'a détruit le cerveau. J'avais même pas réalisé. Du coup, on a buté les loups-garous. Il restait encore 7 villageois et un assassin. Mais ouais, alors c'est tellement dommage. En gros, à partir du moment là où j'avais dévo, je savais plus quoi faire parce que non, même en fait, à partir du moment où t'as parlé, en fait, y a plus personne, y a que les villageois qui sont morts, en fait. En fait, je pense que maintenant, je vais continuer à faire mes games là où je parle pas et je reste dans mon coin, peu importe mon rôle, parce que ça marche très bien. Ouais. Non, mais en vrai, tu peux communiquer, mais en fait, c'est réfléchir à ce que tu dis avant, en fait. Allez, je relance. Y a personne qui part? Ah, au tout hasard, je demande, vu que Tortle... Il est quelle heure? À quel moment tu demandes combien gagne quelqu'un un date sur Internet? À quel moment tu poses cette question? C'est quoi cette question de Michto? Quand tu demandes ton travail, c'est la première question qu'elle pose, genre salut, comment ça va? Et puis après, c'est tu gagnes combien? Elle cherche un footballeur, je crois. Quelle est ta situation? Bien membré ou pas? Le pire, c'est que je suis avec quelqu'un qui aime pas le foot. Bon, personne s'en va, je lance. Oh, bravo Maxime, mais Maxime, c'est l'homme parfait en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il est avec moi. Non, mais. Ou parce qu'il canne bien. T'étais si bien d'un côté. Aïe. Ah là là, c'était compliqué. Tcha tcha yo yo. Il y en a qui commencent à être aussi bourrés que. Incroyable. Ah bah, je vois qu'on gagne en étant full drogue alors. C'est parti, petite binouze ou pas? Oh putain, vas-y, je vais chercher une Corona. Quoi, Dozit? Non, fais pas ça! Mais ton masque, tu es pas pendant la nuit! Mais ça se voit pas, je vais. Voilà, Shinderu. Ouais, j'avoue, dépêche-toi par contre, Dozit, on évite d'AFK la nuit pour éviter de dévo. Dévo, assassin. Dévo, garde. Bonne nuit, chevalier. Des bisous, à la prochaine. Ah. Dévo, voyante. Dévolu. Attends. Ah, c'est, dis donc, c'est bon, elle est pas là, Dozit. Je crois que. T'as un peu long, Dozit, là. Y'a un petit souci, Dozit. Un petit poil qui pousse au menton. Par contre, faites attention, peut-être que les loups ils font ça aussi pour faire accuser Dozit. Hein. Peut-être. Ça, c'est une phrase de loup, ça. Ça, c'est une phrase de loup. Vas-y, tuez-moi, hein, venez. Mais qu'est-ce que t'avais dit que quelqu'un qui dit une phrase de loup, c'est une phrase de loup. Ouais, c'est vrai. Mais quelqu'un qui dit que c'est une phrase de loup et une phrase de loup, c'est une phrase de loup. De loup, ouais. C'est toujours une phrase de loup. Ok, on a compris, Dozit. Non mais attends, pas forcément, mais bon. On va voir, ça se trouve, là, il y a aussi AFK sorcière. Non, pas d'AFK sorcière. Pas sorcière, apparemment. Bon, bah, Dozit. D'abord Noten.
Ah, la sorcière. Get assassined. Get assassined, mais est-ce que ça a sauvé quelqu'un ou pas? Non. Attends. Non. Donc, soit les loups, ont visé l'assassin. Bah non, en fait, il y a que ça. Soit ils ont, ils ont pas voté. Du coup, t'es là, non, ils ont peut-être, ils ont possiblement aussi hard focus Noten, mais dans ce cas-là, c'est le garde qui prend la prio. Mais Noten, c'est pas sauvé. Il est chimiste, ouais, mais réfléchis. Il est sorcière. Il est sorcière, donc pourquoi il s'est pas sauvé? Colère. Oui, mais le garde, justement, le garde, quand il vise, il le sait pas, et la sorcière, même si elle se protège, ça protège pas du garde. Ouais, enfin, ça protège pas de l'assassin. En fait, la seule manière de se protéger d'un assassin, c'est le garde. Bon. Je suis un homme en colère. Pour rien, à se monter comme ça. Ouais, bah, t'es peut-être en colère, mais reste concentré, tu vas peut-être pouvoir aider quelqu'un. C'est bizarre parce que... ah bon. Merde. Le comment dire le ah oui donc en gros Maxime t'es en train de dire qu'ils ont peut-être focus quelqu'un qui était protégé. Non, on l'aurait vu sinon. Ah non, si ça avait été le garde, ça se serait vu. On l'aurait vu. Donc ils ont pas voté, mais pourtant ils étaient trois loups, donc ils ont fait exprès de pas voter pour accuser Dozit, ça se trouve. Après, tu sais, s'il y a un AFK mais à partir du moment où il y a au moins un des loups qui vote, c'est-à-dire que là il y a zéro loup qui a voté, donc il y a trois AFK. Non, mais ça peut être ça, Tensa, ou alors ils ont focus l'assassin. Ouais. Ceci, là, c'est soit ça, soit l'assassin. Il n'y a pas d'animation. Mais attends. Comment ils pourraient savoir qui est l'assassin déjà? En gros, les loups, ils peuvent pas tuer l'assassin, mais quand ils essayent de le tuer la nuit, ils ont l'info du ça coup. Marche genre, pas. Un ça marque que machin à l'assassin. Le truc d'Ozid, c'est que là, actuellement, en fait, quand tu as AFK, je sais pas si t'as entendu, t'avais sûrement pas ton casque, mais en gros, quand on évite d'AFK la nuit. Je suis parti me chercher une binouze. Mais oui, mais on évite d'AFK. On évite d'AFK la nuit parce que ça peut dévot, et quand tu, comme tu étais pas là, le vote des loups n'est pas passé. Fais moite-moite, comme ça, ça décide. Oh, c'était drôle. Oh là, quelle petite salope de Genesos qui pique la mairie, quoi. Dozit, est-ce que t'as compris? Attendez, parce que je suis pas sûr que Dozit ait compris, donc laissez-moi lui expliquer. Tu as AFK pendant la nuit, on évite de faire ça parce que souvent ça peut dévot. Imagine, je sais pas, tu es voyante, on voit la voyante, elle choisit pas son truc, bah on se doute que c'est toi. Sauf que là, c'est arrivé sur le truc des loups. Le tour des loups, il n'y a pas eu de vote. Donc soit tu as un loup et tu as empêché le vote pendant la nuit parce que tu étais AFK, soit les loups ont fait exprès de ne pas voter pour t'accuser toi. Ah merde! Mais le problème, est-ce que quelqu'un d'autre a un autre truc que ça, justement? Quelqu'un a une piste? Quelqu'un a une autre piste, voilà, à part le chien. Comme le chien. À part le chien, lol. Coucher, Rex. Coucher. Pas bouger, Rex. Coucher, ça. C'est tellement. Pour l'instant, j'ai pas envie que Dozit se fasse ninja à la dernière seconde. Donc, Dozit, est-ce que tu as éventuellement une défense ou un truc à dire pour ta défense? Une arnaque. Gaffe de pas dévo. Alors. Sans dévo. Alors, j'ai pas d'indice pour l'instant, mais ça peut venir peut-être un peu plus tard. Ah. Je rappelle, ça dévoit pas le nécro, ça. Hein. Ça dévoit pas le nécro. Ça peut aussi être je dévoie pas, mais je suis sorcière. Non, mais. Je dévoie pas, mais j'ai un nez pointu. Hein. Je dévoie pas, mais j'ai des croquettes. La sorcière est morte. Hein. C'est pour ça que j'ai fait la blague, Molo. Ouais. Oh là là. Ah ouais? Molo, t'es pas drôle, on veut pas, soit, on veut pas des gens pas drôles ici. Allez, Molo, ça dégage. Non, mais je rigolais. Moi, pour l'instant, ça. Pas de vote pour ce tour-là, vu si personne n'a rien. Moi, c'est les 4 à ma gauche et les 6 à ma droite. Wow. Putain, Inspector Bash, t'as trouvé ça tout seul. Ta bête, ta chacal. Batman et Ratty. Ah merde, en plus, c'est le seul qui est mort. Désolé, Noten, c'était un petit hommage. un petit hommage. Un millésime. Revictorieux. Bon, bah. Ah, il y a un influenceur, faites gaffe, les gars. Oui, mais l'influenceur. Ouais, l'influenceur. Il met pas en danger le village s'il réussit sa mission, c'est pas encore un problème. Ok. Sauf s'il doit tuer quelqu'un, évidemment. Enfin, je sais qui c'est l'influenceur. Ah bon? Pourquoi?
Quoi ? D'accord. Il être Guestuga puisqu'il a dit que Jenny était un bâtard de lui avoir volé la mairie. Ah. Bah non, s'il a voté pour lui. Je suis pas du tout influenceur. Je crois pas que 300 abonnés sur Instagram. Donc je suis pas influenceur. Abonnez-vous. C'est des Mugataga sur Snapchat. Coca bien frais chacal sur Snapchat. T'as capté? Ajoute, t'as capté, c'est carré dans l'axe. Ça c'est bien des notifs d'influenceurs. De loup. Des loutifs. Ah. Oui. Oh. Hey. On reconnaît le rôle de Jenny. Ah. Ouh. Bon. Ah bah, ouf. Ouf. Allez, sœur. Tout le monde se prend. Laissez Maxime jouer. Le problème, c'est que j'ai aucune info. Le seul truc que j'ai vu, malheureusement, dans la nuit, c'est Dozit et Besta écrire pendant la nuit. Donc après, je ne sais pas, moi. Ah, t'as entendu ta copine écrire pendant la nuit ? Bah, regarde dans le chat des vivants, tu verras que moi, j'ai envoyé un message là. Ah. Donc, il reste que le fin de nuit. 8 secondes. Luxime n'a pas parlé. Ça veut pas dire. Non, mais à mon avis, j'ai pas le droit de dire que tu l'as. Luxime n'a pas parlé. Luxime n'a pas parlé. Bah oui, mais quoi ? Tu as tiré ? Bah oui, bah, tu vas parler. J'ai pas tiré, putain. Il a pas tiré. Bah non, il l'a dit. Il a dit qu'il allait pas tirer parce qu'il avait pas d'information. Il allait pas tirer. Mais t'as un coup. Moi je tire quand même, au cas où je tire. Moi j'ai eu peur de commencer à me viser. Et j'aurais pas le temps de me défendre. En vrai. Non, mais bon, la dernière fois j'ai fait un colo au hasard, ça a vraiment foutu. Ça a vraiment foutu ça hors de propos, c'est bon. Je vais éviter de faire des colos au hasard, je préfère faire les trucs bien, quoi. Je comprends pas pourquoi t'es aussi véhément, sachant que si le chasseur il tue quelqu'un de random, c'est beau ce que tu dis là, Molochex. Et que ça touche un villageois qui est en couple avec un autre villageois, ça fout la game complètement dans la merde. Donc je préfère qu'il tire pas. Mais Jenny avait l'air d'avoir des infos du coup sur Guxim. C'est pourquoi Guxim, Jenny ? Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Guxim il parle pas, quoi, c'est tout. C'est souvent les malfaisants. C'est peut-être une phrase d'influenceur, quoi. Il se moque, mais il y a quand même 4 personnes à la droite. Je parlais pas, tu vois. À ce moment-là, regarde, Bélier parle pas. Akinès parle presque pas. Ordinette parle presque pas. Moi, je parle. Bob, il parle pas non plus. Ça pue à côté de moi. Qui c'est qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui c'est le dresseur qui a dit ça ? Ah, Bélier. Bélier, ça pue à côté de lui. Ah. J'ai cru voir. Ça pue. Ça pue. Ah, il est en train de viser en plus, il regarde. Quoi ? Il te dénonce, toi, Makines. Ah, ouais, il est fou. Toujours moi, voilà. Et bah, est-ce que tu peux dire quelque chose pour ta défense ? À démo, tu viens d'être arrêté, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout, quoi. Attends. Attendez, ça c'est une phrase de loup, ça, Molo. Makines, profite qu'il y ait du temps pour te défendre. Bah, moi, je peux pas me défendre, j'ai rien à dire. J'ai pas d'info. Très belle défense. Moi, il est vraiment meilleur, ça a aboyé depuis le début. Guestuga n'était pas à côté de Bélier au début, il n'y avait que Makines directement. Et Maxime à côté de moi. Mais il n'y a qu'un seul grade qui ne peut pas avoir d'infos, Makines, c'est le garde là, dans les villageois en tout cas. Non. Donc t'es pas garde. Croyant la pureté de Makines. Après, si on a trop de doutes, personne n'est pute. Attention, sa shotgun là-bas. Oh là là, il m'a visé, j'ai eu peur. On laisse passer, on laisse passer. Pas de snipe, hein. C'est méchant, les snipes. Oh le snipe! Oh, je l'ai! Putain! Je l'ai dit! Oh,
C'est vraiment un connard. C'est vraiment un connard. Espèce de connard. Mais moi, Jenny, on avait dit pas les snipes. Normalement, on fait pas les snipes. Bah, vraiment. Personne ne tue personne, au bout d'un moment, on a peut-être des pires. Mais alors, j'ai jamais été aussi. Mais merde, utilise cette position pour faire des calls. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Mais justement, quand je t'ai demandé des arguments, t'as dit il parle pas. T'as cru, j'allais dire quoi? Bah, je suis vovo en fait. Mais non, mais t'essaies d'argumenter autour, tu trouves un prétexte, comme Molo avec Noten tout à l'aire. Jenny, tu n'as aucune race. Tu n'as aucune race, Jenny. Aucune. Bouffe ta lame. Ah, voilà. Après, moi, j'ai reçu une masse. Il était dresseur. Bah là, Makines ou Guestuga. Ouais, mais attends, c'est peut-être juste les loups qui font ça. Il a fait un call sur toi, Makines. Là, vraiment, on est obligé de voter contre toi. Bah ouais, je pense que. Mais regarde, Tensat, si t'es loup, tu te dis pas, je vais le tuer. Au cas où pour accuser. Si j'étais loup, j'allais pas le tuer. Ça m'était déjà dans la merde. Bah oui, c'est. Non, mais je comprends bien. Mais alors. Alors ça, bah, ça veut dire que si c'est pas toi, c'est Guestuga. Comme ça, j'ai dit le dresseur a aboyé dès le premier tour. Ouais. Ah, dès le premier tour, voilà. Donc Makines, c'était vous, du coup. Ouais. Mais moi, je l'ai pas entendu au premier tour. Je l'ai pas entendu au premier tour non plus, moi. Moi, je l'avais entendu au premier tour. Ça rebug. Parce que moi, je crois l'avoir entendu aussi au premier tour, on a même fait A. Bon, moi je l'ai entendu au premier tour, mais bon après comme ça me concerne un peu, ça vaut ce que ça vaut. Mais bah après vous pouvez, tu peux, enfin, ça je pense que tu peux voir sur ton chat. De quoi? De mon chat, y a quoi? Je regarde pas le chat là. Ah ok. Bah, y a écrit gêné, t'as un non, moi non plus je regarde pas le chat. En gros. Ah oui, bah oui, bah c'est Luxime, mais bon, je préfère qu'il le dise là plutôt qu'en vocal comme il l'a fait, donc. Gêné est un vrai connard. Non, arrête. Quoi? On t'entend pas beaucoup, Dozit. Bah, ah, j'ai un indice, mais. Par contre, attendez, moi, il y a un truc que je comprends pas. Fais partager. Écoutez. Un sacré pire. Après, l'indice, ça, c'est pas... il est pas lié à Makines. Makines, j'ai rien comme info. Mm-hmm. Les indices que j'avais, c'était sur Molo et sur Guxim. Molo et Guxim. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'ils sont gentils ou qu'ils sont méchants? Bon, attendez, parce que. Guxim, j'ai une info comme quoi il était suspect. Alors, loup-garou ou assassin, mort, ça, je sais pas. Ah, c'est bon, non, mais je dis juste pour retracer le truc. Et, je sais que Molo est pas loup-garou. Pas méchant. Ah, ok, une info comme quoi, d'accord, ok. Bah, en vrai, Makines. Oula. Mais par contre, si Makines. Attendez, si Makines est vraiment loup. Franchement, les deux autres loups, vous êtes cons d'avoir voté pour tuer le dresseur. Enfin, genre. Ça l'a mis dans la merde. Bah ouais. Un peu elle a tenté son ulti. Ouais, bah non, mais bah, c'est elle bien a, joué. Oui, elle a bien fait. Bah, elle a bien fait. C'est la seule chose à faire. Mais ouais, là, Et du coup, tuer le dresseur, c'est pas une bonne idée, même s'il était en train de suspecter. Après, le dresseur a des veaux. Ça serait le meilleur dresseur. C'est ça. C'est à partir du moment où le dresseur a des veaux, qu'il le tue ou pas, c'était le bordel. Et bon, du coup, ça fait un loup en moins. C'est bien. Je me battrai sans répit. Pour toi, Pandinette. Spring. Ouf. Okay. Ouais. Et le garde, puis tout à l'heure. Le garde. Je compte le récompenser. Les amis. Je suis dans l'attente. Les amis, je pense avoir
comment dire, les informations sur les deux derniers loups. What the fuck, ah les ouais, amis carrément. Enfin, madone, c'est pas madone, des infos, madone. C'est pas, je n'ai pas de pouvoir particulier pour avoir des informations, c'est juste par déduction. Pandinette a... Tout, nécromancien. Non mais écoute, Pandinette a lâché le call sur McInnes. Je pense pas qu'elle aurait sacrifié un de ses potes loups comme ça, donc je pense que Pandinette est safe. Dozy t'a donné des informations et c'est pour ça qu'il a été la cible cette nuit. Je pense du coup que Dozy est nécromancien. Comme il a donné des informations, ça t'innocente toi aussi, Molo. Je pense que Molo est garde. Genezo, c'est voyante. Dozy, nécro. Attends, voyante. Molo garde. Jenny voyante, nécro. Guestuga sûrement influenceur, ou alors c'est toi l'influenceur Molo, enfin l'un de vous est soit influenceur soit Cupidon. Moi je suis garde, Bob et Guestuga. Attends, mais je me suis embrouillé avec Guestuga. Bon, mais non, de... mais non, mais je... mec, c'est un loup. Attends, peut-être pas. Gros, hein. Non, mais gros, c'est par déduction de fin de game. Hein. C'est par déduction de fin de game. Non, c'est pas du tout la fin de game. Moi aussi, j'ai des infos. Des amis. Bref, moi aussi. Je vote pour Bob parce que bon, pas, d'après non, les deux. Non, mais laisse-moi. Moi, j'ai des infos aussi. C'est que Pantinette et Molo, c'est sûr, ils sont innocents. Bah, ça, c'est des c'est sûr, à 100%, les deux sont innocents. Et si Just Do It est vraiment le nécromancien, pour moi, il y a Guestuga. Pardon, Guestuga. Ou alors, attends, il y a encore le couple. Il y a encore le coup, donc Guestuga. Oui, Guestuga. Pour moi, c'est Guestuga, Genezo, Soutenza. Guestuga, Genezo, Soutenza. Pandinette et Molokak sont. Moi, de toute façon, c'était soit Bob et Guestuga pour moi dans ma tête. Donc, et il y a peut-être que Jenny, peut-être. A peut-être les infos. Jenny, j'ai tué l'assassin, vous êtes des lourdement. Écoute. Mais moi, si vous me tuez maintenant, vous faites une erreur. Moi, je sais que les deux à ma gauche sont totalement innocents. Bon, moi, je vote Guestuga, du coup. De toute façon, moi, c'était soit Guestuga, soit Bob. Vous votez moi au bout de 8 secondes, j'ai même pas le temps de me défendre. Mais c'est trop chiant. Mais non, mais parce qu'il a... Attends, parce qu'on a... Bah, il parle et moi... Mais bon, bref. Mais parce qu'il a... Bien joué. Vous, j'ai 20 secondes pour parler aussi. Bien joué, bien joué. Mais du coup, si t'es voyante... Enfin, toi, t'es voyante, Bob. Du coup, Jenny, qu'est-ce qu'il est? Et... De quoi elle est voyante? De quoi elle est voyante? Il a voté là au dernier moment, gêné. Et j'espère que le garde va pas se viander. Oui, j'ai voté. Bah, j'ai voté parce que c'est quelqu'un, je savais. Ok, je... ouais. Vas-y, bonne nuit. Ouais. Oui, je sais, Serven, mais c'est parce que j'aime bien faire ça. En fait, je pense que du coup, oui, Jenny et Lou. Jenny et Lou, et ils savaient que c'était l'assassin parce qu'ils ont essayé de le focus. T1, et c'est logique puisque Noten est mort. J'aurais dû me protéger moi, je suis trop bête. Avec un peu de chance, il va se dire je vais pas attaquer Tensa parce que il va se protéger. Avec un peu de chance. Nique sa mère. T'avais carry Tensa, GG. Putain, ouais, bien joué. Putain. Je sais qui est le dernier, c'est terrible. Et alors, bon, Tensa il peut plus parler maintenant, mais c'était quoi déjà sa supposition? C'était soit Bob, soit Jenny. Non, c'était attends, à la base, c'était soit Bob, soit Guestuga. J'étais pas dans le truc. Oui, non. Moi, il m'a dit j'étais Vovo. Entre toi et Bob, il hésitait lequel était voyante à la fin, puisque Bob a donné des infos. Mais moi aussi, j'en ai donné. C'est ça, le truc. Et puis moi, j'en ai donné soon, très soon. Oui, mais t'avais l'info de l'assassin, parce que t'es loup, les loups, ils savent qui c'est. Oui, Molo, tu l'as tapé oui, un beau temps hein, derrière. Molo, oui, Molo, le loup. Depuis le départ, il me pique mon rôle de Vovo. Mais vous êtes incroyable. Juste, alors, juste analysez bien la situation. Tensa a émis l'hypothèse que Genesos pouvait être la voyante. Et quand il a essayé de dire que ça pouvait être moi aussi, Jenny s'est braqué direct.
Je suis braqué sur toi. Moi, je vous ai innocenté tous les deux et je suis persuadé T'as innocenté qui ? Non, moi j'ai innocenté Molo. Oui, tu l'as innocenté, mais moi je l'ai fait. Je l'ai fait pour Molo et Pandinette. Toi, je suis persuadé que t'es le nécro. Si je me suis passé pour Vovo depuis. Si je me suis fait passer pour Vovo depuis le départ, pourquoi t'as rien dit ? C'est pas Vovo. Mais c'est, non, c'est juste avant, quand Tensa a évoqué son hypothèse. C'est mais pas tout le monde a compris que j'étais de Vovo depuis le départ. Non. Tout le monde a compris. J'ai presque Dévo dès le départ. Non. Tout le monde non. a compris si tu fais semblant depuis tout à l'heure que t'es la Vovo. Pourquoi t'as rien dit ? Mais parce que j'avais pas les bonnes infos jusque-là. Non. J'aurais dû me protéger. Je crois que tu te réveilles à la fin parce que t'as plus. T'es passé tout seul finalement. C'est vrai qu'on bah, t'a le pas seul doute que je pourrais mettre. Mais non, Molo, tu m'entends jamais de toutes les parties quasiment. Alors, oui, ça, bah, ça non. Oui, non, bah après, bah, pour une fois que je prends la parole, évidemment, je prends un risque aussi. Mais, On a 8000 abonnés, chelou. On les connaît pas tous. Hein. Tu sors comme ça l'ombre, tu vovo, lui, safe. C'est chaud quand même. Est-ce que je peux non. Une dis-moi. Oui, vas-y, parle. À 26 secondes. Si Jenny est potentiellement loup, on peut penser parce qu'à la première nuit, il n'y en a que un qui est mort, donc ils auraient pu viser l'assassin. Et à la deuxième nuit, il y en a encore une fois que un qui est mort, c'était Maxime. Puisque après, le dresseur, il a été tué pendant le jour. 10 secondes. Et l'assassin a été tué pendant le jour. Donc ça serait Jenny Lou, ça serait pas incohérent. Si moi, j'ai call dès le départ. J'ai call dès le départ, les gars. Lui, il se réveille à la fin en disant c'est à Bobo. Jenny, tu tues Bob, on va voir si c'est lui, si c'est pas lui, c'est toi. Grave erreur. Okay. Putain. De toute façon, on a gagné là. Bah non. Si, non, mais de justesse en vrai. De justesse. Bah. Ah. S'il fait le mauvais choix, c'est mort. Si le couple meurt. Il y a encore le couple. Incroyable. Bah, du coup, moi je pense que Dozit et Pandinette sont en couple. Hein. Ou alors Molokax était en couple avec Molo, mais je pense. Putain pas. Yes. Putain, mais fils incroyable. Yes. Je suis désolé. Va sucer tes grands morts. C'est pour toi, Gaston. Pourquoi c'est vous pour avez vous, pas voté loups. À la fin. C'est pour vous, tous les loups. À la fin alors, du... Moi, je suis un fils de pute pour ça. Mais non, mais Molo, c'est, en fait, c'est Molo, parce que c'était sûr, baiser. Parce que... Parce qu'il a focus que l'assassin. C'est la seule info qu'il a donnée, Jenny. De toute la game, c'est la seule. Jenny, t'es beau et fort. Mais non, t'es pas beau et fort. Jenny, t'es beau et fort. J'ai beau et fort, c'est une petite salope. Il vous a baisé, c'est tout. Jolo jambon dans la sauce. C'est le genre de petite pute qui fait des snipes. Et ensuite, qui fait des fuck les rageux, fuck les rageux. Non, mais en vrai, ma plus grosse erreur... Ma plus grosse erreur, ça a été de protéger Bob et pas de me protéger pour essayer d'argumenter le tour d'après. J'étais trop con. Et d'ailleurs, toutes les nuits, je vais donner les mauvaises infos au nécro. Hein, je vais passer les gens pour des loups. Et oui, mais ça, je l'ai dit à Dozit. J'ai une question. Juste une question, c'est qui m'a tué la première nuit de la game, la première nuit ? C'est l'assassin. Donc c'est Guxim. Qu'est-ce qu'il m'a dit dans le chat des morts ? C'est Bob le loup. Mais c'était maquillé, les loups. Par contre, c'est que t'es un Guxim, t'étais l'assassin, c'est bien ça. Genre, t'étais bien l'assassin, Guxim. Oui, parce que Jenny m'a tué. Mais surtout, ça, je te déteste aussi. Non, mais tu sais que j'ai trop le seum, Guxim, parce que t'es un, les loups t'avaient voté toi, et moi, j'avais le choix pour te heal, et tu m'as tué, et quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune animation pour toi, j'ai fait, putain, c'est l'assassin. Et la deuxième nuit, j'ai dit à Dozit, Guxim, il est... l'assassin. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a ? L'indice qui aurait dû te mettre la puce à l'oreille, c'est si tu avais fait tab, tu te serais rappelé du coup que T1, justement, il n'y a que Noten qui est mort par l'assassin. Et les loups ont voté pour personne, donc ils avaient soit ils avaient fait exprès de ne pas voter pour qu'on accuse Dozit, soit c'était l'assassin qui avait été focus par les loups, et du coup, comme par hasard, le tour d'après, c'est Guxim qui meurt alors qu'il était assassin. C'était moi le seul loup parce qu'on attendait que Dozit revienne. Bah oui, non, t'as très bien joué. Ah mais du coup j'étais le seul à viser Guxim. Guxim c'était l'assassin, du coup je savais qui était l'assassin. Je me suis pas fait pour vous tout par toute la partie. Bah oui, on a vu. Mais merci Telda aussi. Là c'est le truc, c'est que tu t'es fait passer pour la Vovo alors que t'as donné que l'info de l'assassin et rien que ça, c'est trop suspect. Ah vous arrêtez. Ah, ouais mais après j'ai appuyé le truc de Jenny c'est la voyante, ça va peut-être aider un petit peu. Bah ouais.
Ah, bonne nuit. Bon, moi, j'en refais une dernière et puis après, bah, dodo. Donc, il reste de la place. Joyeux à Turtle. La dernière, je mortais un. Allez, salut. Ouais, je mortais un, ouais. Je mortais un, la dernière. Salut, Turtle. Salut, comment ça va? Écoute, ça pourrait aller mieux. On est lourd. J'aurais juste dû me protéger, putain, je suis dès que je me serais protégé, c'est bon. Ah justement, je vais te chercher sur ce tour-là, je vais te chercher. Mais justement, j'ai bien vu que t'hésitais, et j'étais là en mode, ça se trouve, il va se dire, il s'est protégé, il va, je vais pas le focus lui, ou alors t'allais tuer Bob, et puis, enfin t'allais tuer Bob en disant que je m'étais protégé, ou alors t'aurais fait la merde. Pour moi, tu protégeais quelqu'un, pour moi c'était sûr que tu protégeais quelqu'un. Ouais, j'aurais pas dû. Après, comme je savais pas si c'était toi, en fait j'hésitais entre toi et Molo, et après je me suis rappelé que Molo, c'était peut-être l'influenceur. J'ai fait, bah oui, c'est vrai, c'est l'influenceur, du coup, je t'ai visé. Toi, ah, mais l'influenceur, il a que deux tours pour agir. Mais non, mais. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas grave. Je suis pas. Voilà. Et voilà. Et c'est à la fin. Ouais, à la fin quand j'ai dit, bah, de toute façon, on a gagné. Oublie le coup, quoi. Ah, à la fin, quand j'ai dit, bah, de toute façon, on a gagné. L'influenceur, il a fait. Ta gueule. Et que à la fin. Je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. L'arroseur arrosé, quoi. T'as dit, de toute façon, on a gagné, et que j'ai dit qu'il y avait le couple. Oui, oui. Dozit et moi, quand la nuit est tombée, on a fait « Oh merde, oh non !» En même temps, le saucissonné. Et c'est horrible, parce que quand vous êtes, deux villageois en couple, vraiment, aux F de gagner vraiment en tant que couple, hein, faut quand même gagner avec le village. Molo en sueur. Par contre, sérieusement, les Cupidons, là, c'est quoi le délire de me foutre tout le temps en couple? Ouais, j'avoue, là, j'avoue. Bon, il reste deux places. Il y en a qui veulent venir pour la dernière. Luna, ça veut dire que t'aimes bien le Cupidon. Tu vas pas te plaindre. Non, les cinq dernières parties de Lugaro. Salut, Cobra. J'ai été quatre. Bon. T'as la voix de Dwagby. Ouais, c'est moi, Dwagby. Il y a quoi? Full Flame. Allez, qui veut jouer? Full Flame. Il reste deux places. Personne n'est de retour. Je peux avoir un... Ouais, t'inquiète, je t'invite. Allez, Sterzen. Allez, Luna, tu me rejoins pour la dernière. Franchement, Gotega, pilier. Hein. Allez, pilier, ouais. Il y a même encore une place après Sterzen, si vous voulez. Dites ça parce qu'il est gros. Wow. Il est pas gros, Gotega. Wow, rude. Non, il est juste enrobé. J'ai une ossature lourde. J'ai une ossature lourde. J'ai une ossature lourde. Kinder. C'est un petit Kinder Bueno. Ah, le gros monsieur d'abord. Croquant à l'extérieur, mais fondant à l'intérieur. Bien joué avec nous, Luna. On fait une dernière game, vas-y, viens. Au moins, allez, tu te prends un chat. On est bien. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Il y a des petites saucisses là sur la table, j'ai trop faim. Des cookies. Tu amènes un Tifilou? Non, pas de Tifilou, alors que je vois une grosse saucisse sur la table là. C'est pas des saucisses, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mange bien ta grosse saucisse! Ouais, c'est une côte, quoi. C'est pas des. C'est des grosses côtes, mais c'est pas des saucisses. Eh ben, et alors, c'est de la viande. Merde. Allez, il l'a eu. Luna. Il a pas refaire allez, la compo. Luna. En fait, j'ai la flemme de refaire une compo à 11, donc. Allez, Luna. J'ai pas de son assez pour. Juste un rôle à retirer, sinon. En vrai, pareil, je trouve la compo intéressante, hein. Là, franchement, c'est équilibré. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Bah. Allez, Luna, ouais. Let's go. Dépêche-toi, viens sur Discord et lance le jeu. Allo, je vais dire, il n'y a pas encore une victoire de loup et je viens de me souvenir comment je fais Brain comme une grosse merde. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Là, il y a l'assassin. En fait, l'assassin remplace un peu le loup blanc, sauf qu'il est un peu plus violent, quoi. Donc, du coup, j'ai enlevé quand même un loup. Au lieu qu'on ait 5 loups, tu vois. Une compo à 5 loups avec un loup noir et tout là. Bah là, c'est 3 loups et un assassin. Oui, mais pour une game, bah dépêche-toi par contre, Luna. Non, mais tu lui imposes de venir, ça se trouve, elle voulait même pas jouer. Luna, mais. Il est con ce perso! Est arrivé, la balle est toujours coincée, je suppose. C'est sur le tronc là. En vrai, du coup, je suis en train de me dire depuis le début qu'on a joué, là, qu'on a commencé à gros, j'ai eu quasiment tous les rôles, ils m'ont montré peu à voir encore. Ah bah bien joué. Moi, j'ai eu dresseur, garde et influenceur. J'ai eu garde. J'ai eu assassin, cupidon, voyante, sorcière. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore comme rôle?
J'ai eu chasseur, j'ai eu loup brumeux. J'ai eu assassin, loup et loup. Et loup. Bon. Putain, j'ai été quasiment tous les rôles depuis le début. Allez, regardez le haut du tronc là qui a fallu près du village. Jacques ? Jacques Dutronc ? I have the high ground. Eh ben quoi ? Ah, c'est bon, là. T'es qu'a fait ah. Allez, Luna. Allez. Ah, débat. Je sais pas qui c'est, mais. T'es mort. Je sais. Qu'est-ce qu'on rigole ? Qu'est-ce qu'on se meurt ? Qu'est-ce qu'on se fend la poire ? Qu'est-ce qu'on se meurt ? Ça faisait vivre ! Elle vient de là ou pas ? Elle arrive, elle vient de lancer un gros. Ah, de gros, il est là ou pas ? Ah, ah, démarre. Et Luna, bouge ton cul là, putain. Bon, en tout cas, je laisserai sur mon bloc-notes gêner une petite salope quand même. Hein. Oui, gêner toujours une petite salope. Est-ce qu'on est là ? Ça te fait une petite salope. Et je vais marquer un. Si un jour vous hésitez, si vous hésitez justement à faire speed quelqu'un, ouais, si j'avoue, vous voulez un ninja vote, vous faites gêner. Je peux plus jouer à Lugaro, ça me casse les couilles. Ah, c'est bien. C'est bizarre ça. Ah, c'est bizarre. Je suis gêné, j'ai pas compris pourquoi t'avais fait un ninja vote, genre c'est bâtard. Si on peut pas free kill, moi j'arrête de jouer à ce jeu. Hein. C'est un bah oui, mais truc, c'est un ça, j'avais bien compris que, genre, moi après que tu l'aies tué comme ça, j'ai compris que t'étais loup parce que, genre, t'essayais de le tuer T1 et ça avait pas marché. Oui, mais t'étais mort, du coup, je m'en foutais. J'étais compris ou pas. Oui, je te connais, Luna. Quel enfoiré. Ouais, j'arrive. Voilà. Et voilà. C'est parti, c'est parti. Luna forcé à jouer par Tensa. Oh, moi j'étais en appel, chill tranquille. Et là j'entends Luna, je dis voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi ? Pour moi ? À moi ? À moi ? À moi ? Pour moi ? Pour moi ? Pour moi ? Bon, attendez, parce que j'ai devoir garder la webcam un peu éteinte parce que. Ça ! Ah ! De quoi manger. Ah, c'est ça, à moi. Tu manges de l'humain, tu manges du villageois, Tensa. Ouais, je mange des villageois, ouais. Le couteau, je le prends plein dans le fond, je suis sûr. Et là, je suis scouté, et alors je vais te prendre un peu. C'est un peu chaud, j'attends. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. Ouais. C'est toi, t'es loup, du coup. Chut, ta gueule. Non, c'est dosé. Merci Zeltwix pour ton e-sub de 7 mois. Oh, mais non, c'était sûr en fait. Ah non. Il y a encore l'influenceur. Ma main elle disait encore coucou alors que j'étais mort. Ah. Oh non. Martin, il l'avait call. Ouais. Ah oui, il l'avait call. Merci beaucoup du coup. Twitch dit que c'est encore mon anniversaire alors je veux 1 million d'euros. Eh ben, bon anniversaire. Et t'auras pas 1 million. On veut tous 1 million. Merci pour le soutien. Voilà. Alors, ok, j'ai l'honneur de ce vote. Oh, ouais. Allez, Turtle. Est-ce que vous pouvez tuer Tensa, SVP ? Pourquoi ? Sa mission. Sa mission. Ah, d'accord. Ah, le... bah, je vous conseille pas. La mission de l'influenceur peut être encore valable, même si elle est morte. Oui, je l'ai eu tout à l'heure. Ouais, désolé encore, Bélier. Le dresseur. Chien. On a une info, on va dire. Coucou, Nyx. En tout cas, je tiens à vous remercier pour ce vote de merde. Ah, je crois que t'es dire un vote de je merde. Je propose Luna, je passe d'entre. Mais je viens d'arriver. Non, je plaisante, t'inquiète pas. Non, bah écoutez, pour l'instant, moi j'ai aucune suspicion, ça se passe très bien. De mon côté, j'ai dormi dans mon petit lit douillet, tranquillement. Ouais, mais il y a eu deux morts. Sinon, quand même, comment tu peux dire que ça se passe bien? Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Ah, ça se passe bien parce que c'est un loup.
Poutine, il n'y a pas de problème en Russie. Je tiens à dire, ils sont morts avant que je sois maire. Du coup, c'est pas ma responsabilité. C'était pas sous mon mandat. C'est pas sous mon mandat. Merci. C'est marrant, c'est ce qu'ils disaient tous là avec les masques. Ce serait dommage qu'il y ait d'autres morts qui arrivent une fois que t'es élu, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bon, après, bon, ça existe les dommages collatéraux, quoi. Bon, pas de soucis, bah, les dommages quoi collatéraux. Ouais, bon, les dommages écoutez, colonne vertébrale, je crois qu'il a dit. Un truc comme ça. Écoutez, votre mère s'est arrêtée en 6e, donc vous allez vous calmer. comme Jean Lassalle. Yes. Non, écoutez, personne, quoi que ce soit, on fait un bypass tranquillement. Ouais, c'est ça, ça t'arrange, hein. Enfin, moi ça m'arrange parce que personnellement bon. ça me permet c'est de dommage j'aurais eu Genezo, j'aurais bien fait un bypass sur Genezo, je sais pas pourquoi, je pense que ça aurait été rigolo. Ah oui, c'est bon, après dommage il a des coups quoi. Bon, bah, non mais il a sûrement des coups Gené. C'est qui me veut pour moi là non, mais pour bypass de toute façon il reste 40 je... secondes mais... Ah ok, je... c'est vrai. Ouais, mais allez, enlevez bien sûr. Ça va, vous n'avez pas le droit de stresser parce qu'il n'y a pas gêné. Et dommage cholestérol. Ah, ouais. C'est déjà la merde. Oh putain. La nuit. Ah. J'avoue, elle était grave longue, what the fuck. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu le changement d'heure. C'est ça. C'est normal. Comment ça? Mais c'est que quand il se fait assassiner, pas quand il se fait tuer par un couple. Ah bah voilà, GG. GG McInnes. GG l'influenceur, hein, qui s'est touché les couilles. Bon, sans dévoi, il faudrait que le dresseur il donne des infos là. C'est abusé. Ouais, quand bah il serait bon. Bon. Mais là, vous êtes tellement dans la sauce, le village. Ouais. J'ai peut-être une petite info, elle vaut pas grand chose, mais pendant le tour des loups-garous, le micro de Noten s'est affiché, s'est allumé pour un petit clic. Comme tout le monde, quoi, comme on parlait. Non, pour un petit clic, c'est juste un clic de souris que j'ai entendu et c'est le micro de Noten qui s'est activé. Pendant le tour des loups. Si tu veux, vote-moi, mec. Hein. Après, il y a ça, mais. Mais juste pour te dire, moi, la nuit, parfois, je vais aussi sur Discord pour parler à des potes. Hein. Je dis pas ça. C'est pour ça que j'ai dit ça va. Tu mens, t'as pas de potes. Waouh. Bah vas-y, je vais continuer à pleurer dans mon coin. Allez, c'est bon. Mais non, Noten. C'était une blague, Noten. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la sorcière sait peut-être que. Là, il a dit parler dans son coin, donc c'est pas totalement faux, Molo. Hein. Il a pas dit parler à des potes. Il est en train de parler. Ah, si, il a dit parler à des potes. Oui, mais t'inquiète pas. Donc, si la sorcière est la sorcière est avec nous, du coup, Sarzen peut être safe, du coup, ça vite. Déjà, je vous êtes sûr que c'est pas moi, ni Sarzen. Je suis en train de bégayer et j'ai l'impression que je suis grave, en fait. Pourquoi ça serait pas toi et Sarzen. Pourquoi je m'innocente parce que moi, je viens d'être ciblé, donc. Ah oui, mais je pourrais. Moi, je sais que il se peut que je sois la prochaine cible et que ça va peut-être mal se passer ou peut-être pas. Non, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, ah, bon, en tout cas, info, mais j'ai quand même des doutes. Mais le problème, c'est que là, à chaque fois, parce qu'il faut voter quelque chose. Ouais, bah techniquement, bah. Je peux pas. Molo, c'est le premier qui s'est jeté sur moi, donc ouais. Je me suis pas jeté sur toi, mais faut arrêter là un peu, n'importe quoi. J'ai juste dit que dire que t'étais innocent, ça t'innocentait pas, mais vous êtes baisé. Hein.
Oui, mais. Sérieux, quoi. Mais c'est quoi, ça t'apprendra à dire que j'ai pas d'amis. Non, en train de voir tes Jack Daniels là, putain. Oh! Il a le seum! Mollo! Dans la sauce! Là, vous avez juste de la chance, mais c'était vraiment pas du tout. Il a des connaissances bon chimiques que vous avez pas. Hein. Tu me frappes, je t'empoisonne. Je t'empoisonne. Et dites rien sur Turtle, sinon il vous tue instant. Hein. Merde, là. Turtle, tu sens mauvais. Je suis mort, je suis déjà mort, moi, donc. Putain, j'ai quelque chose que je mange, j'ai l'impression qu'il y a des esprits qui me parlent, c'est chiant. Du cul. Enculé. Ah ouais. Oh. GG. Ah bah yes. Oh. Attends, mais je... Oh. Oh. T'as été obligé par les loups. Ah, c'est un loup et sorcière. Je peux dire un truc. Merci. Je tiens à dire un truc, c'est que les loups, avant que je donne le maire, lâchez-moi les couilles, s'il vous plaît. Quoi? Ah, tiens. Ah, merci. Oh, oui. Par allez, contre, la sorcière, je t'aime pas du tout. Pourquoi moi? Bah, pourquoi? Alors, à part qu'il y a un dernier, là. Le dresseur, ça serait bien qu'il se manifeste. Je pense Luna. Que c'est. Luna et Luna ou Bélier. De quoi? Mais non. Je suis pas sûr. Non. Je connais les deux rôles qu'il faut éliminer. Je connais les deux rôles qu'il faut éliminer. Et les deux personnes qui sont avec. C'est Luna et Dozit. En vrai, j'hésitais. Déjà, j'avais Luna dans le collimateur. Mais... Alors, moi, je vais suivre le call parce que ça sent mauvais à côté de moi, mais je savais pas de quel côté c'était. Bah, c'est beau. Ça. T'as fait qui vote pour moi? À tout le monde, en fait. Non, il n'y a pas certaines qui a voté. Bah, si, du coup, je le votais, mais. Bon. Je peux rien faire, en fait. Oh, putain, non, il y a autre chose. Je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Y'a autre chose. GG les boys. Ça fait trop longtemps que j'ai pu jouer à Accro. Ah non, mais c'est perdu. Ah non, mais non, j'ai rendu. Il reste l'assassin. J'avais oublié quelque chose. Oui, il reste l'assassin. De toute façon, je savais qu'on perdait en tant que loup, hein, avec la team que j'ai. Instant. Bah, c'est juste vu ces mecs qui ont perdu, quoi. Exactement. Bah, yes, les gars, Gory try. Bah, c'est quoi, moi, que moi, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à gros. J'arrêterai pas de te focus. Ah. Ah. Il vient de chercher Sarzen. C'était une voix auto-tunée au début. La police est sur place. J'ai vraiment cru qu'au début c'était une voix auto-tunée. Hein. Ah ouais. C'était bien une ambulance. T'as bu fait un beau flanc pour avoir des voix auto-tunées comme ça. Une voix auto-tunée, pas une auto-tunée. Une auto-tunée. Une auto-tunée. Pipon, pipon. Attends. Pourquoi d'un coup on me préchatte? Putain, mais j'ai même pas le temps, quoi. T'es un assassin. Putain, mais et pourquoi? C'est quoi votre preuve en vrai? Parce que la voyante l'a dit. Bah, vous êtes plus que trois. Parce que quoi? Mais en plus, vous aviez aucune preuve, bande de fils de pute! Mais il était voyant! Attends, mais c'est des veaux! Bah, oui, à ce niveau de la game. À ce niveau de la game, quoi. Putain, GG l'influenceur. Bon, est-ce qu'on en refait une ou pas? Ouais, l'influenceur. Ouais, moi je veux bien en refaire une, parce que bon. Je veux bien en refaire une. La première phrase de Luna en tant que loup, c'était faites le call, je suis. Mais j'ai toujours fait ça quand j'étais loup. En vrai, je fais pareil.
Enfin, très souvent. Ouais, mais bon, utilisez un peu d'initiative. Non, 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 j'ai plus joué à vous aussi. Allez, la dernière. C'est parti. Mais... Ah, mais... Vraiment la dernière, hein, pour moi. Le premier call, tout à l'heure, c'est fait pas de vote, on va faire croire que c'est Dozit. On va pas voter, donc... On a bien fait de pas t'écouter, t'étais loup, enfoiré. Fils de pute. Bière bien fraîche, chacal. Bon, sérum. Bah, là, alors, à 2h du mat... Je dors pas de la nuit après. Quand il y a sous le jeu. C'est que sur Steam pour l'instant. Ah bah c'est cool. Allez. Oh non. Vous auriez pas vu Bob. Ah. Et derrière un coup. Derrière il était quoi? Ah, j'ai pas eu son rôle. Cupidon, Cupidon. Bah Cupidon, tu t'appuies Cupidon. Sur Tab. Ah oui. Ah voilà. Sorcière. Okay. Je vous dans le cas le Tab je le fais jamais. Ah c'est pour ça qu'on a perdu tout à l'heure quand c'était de gêner le loup. Bah ouais. Il y a 3 personnes qui votent pour être le maire. Bah, on a aucune info. Ah, 4. Moi, je veux bien être le maire. Bon, allez, plus on est fou, plus on rit. T'as hâte de gober les couilles de Jenny ouais. Et Sigal avec chaque gars. Là, le bon Chibrax, là. Ouais. Et pourquoi vous êtes jaloux tous comme ça? Moi, j'ai des raisons d'être jaloux, Gestuga. Tu crois pas? Mon amour. Mon amour. Mon amour est mio. On a des mots. Enfin, tout à l'heure, on a très mal fini. Hein. On a des mi amor. Oh, Aini, pour le pingo. Oh, Aini. En tout cas, je tiens à dire à mon locax bonjour. Oh, Aini, d'aide, Anne. Projet de Nishan Meili. Non, moi, je suis quelqu'un de mature. Le pingo, ce qui se passe dans une vie reste dans l'autre. C'est marrant parce que l'autre jour, quand on était en couple et t'as Art Focus gêné, je suis mort avec toi. C'est pas la même. Et si quelqu'un le vise, tu le vas ou pas? Je l'ai fait une fois et c'était avec Baptiste parce que c'était un fils de pute. Mais ah, c'était Baptiste. Ok, d'accord. Après Baptiste. Wow. Wow. Un fils de Kemodo sur votre Discord. Ouais, c'est rappelle. Ça, sympa pour le Modo en chef. Écoute, qui aime bien, châtie bien. Qui a dit qu'il était Modo? C'est une petite salope et c'est un copain. Donc, bon. Ah, c'est le plus ancien des Modos, j'ai envie de dire. Pardon, non, je voulais juste dire. Grosse salope. Ouais, mais c'est par dépit. Hein. Bon, j'ai aucune info. Bah, merci, le maire. Bypass. On peut bypass sur moi. Attends, bypass. On bypass. Ne vous inquiétez pas. Bypass. Makines Makines le dernier là. Le dernier. Non, c'est moi, c'est parti. Oh là là. C'est risqué là, de faire ça. Quoi? Vous faites des bypass quand je suis là, vous êtes trop cool. Qui l'a snipe? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est gêné. Oh non. Gêné l'influenceur. Quoi, gêné? Mais on avait dit pour l'info. On m'a arrêté de faire ça. Non mais c'est gêné, c'est rien, écoute hein, comme d'hab. Là, ça non mais t'as pas gagné gêné. Gros, c'est, en fait c'est, t'as pas compris le but du jeu en fait, le but c'est de débattre. Influenceur. Non. Si t'as envie de faire des fracs, tu vas sur un autre jeu en fait, c'est tout. Là c'est un freaky gros, c'est un freaky. Best punchline. Si vous voulez tuer personne avec Go Animal Crossing, en fait, les gars, au bout d'un moment. Mais gros, t'avais combien de tours pour le faire? C'est pas comme ça qu'on joue.
Mais oui, c'est pas comme ça non plus qu'on joue. L'argumentation. Dans quel loup-garou, vous avez vu qu'il y a des bypass ou... Dans quel loup-garou? Mais non, mais gros, dans quel loup-garou il y a à des. À ce moment-là, faites l'argumentation. Regarde tout à l'heure comment Makinès elle a joué son rôle d'influenceur. Elle a fait prétendu avoir des infos. Elle est morte, elle a dit voter pour lui, ils l'ont tué. Non, elle a prétendu avoir des infos. Elle a joué le jeu juste avant même les élections du maire. Toi, t'as rien dit avant les élections du maire. Elle l'a fait tout à l'heure en plus. Surtout, en fait, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas ça le problème gêné, en fait. C'est que on s'est à peu près fait un pacte justement de jamais faire de ninja vote parce que sinon c'est chiant. Bah, c'est surtout pas drôle, quand tu fais un bypass. Mais c'est nul les bypass. Mais c'est nul de le truc, c'est que gêné, que ça s'amuse que toi et du coup ça devient pas drôle pour les autres. C'est même pas que ça m'amuse. C'est que. Attends, j'ai une question. C'est pas comme ça que ça joue le jeu en fait. Dans les loups-garous normal, est-ce qu'on peut décider. Ah. Oh non, pas un villageois. Putain, GG. Bon. Le truc, c'est que oui, gêné, normalement... Dans le loup-garou normal, est-ce qu'on peut décider de voter pour personne? Non. Dans le loup-garou? Non. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux faire des ninja votes? Si on peut, si on ne peut pas, s'il n'y a pas de bypass, on peut pas faire ninja vote. Voilà. Par contre, tout le monde vote. Donc, en soi... Alors, c'est pas le... Ah, par contre, Jenny, je suis pas d'accord avec toi. Parce que un ninja vote n'est pas le résultat d'une bypass. C'est le résultat du timer qui est fait comme ça. Donc tu peux pas dire parce qu'il y a personne. Bah si, c'est pas une conséquence. Si personne vote, c'est presque une conséquence. Ce jeu-là, on peut voter pour personne. On peut faire passer un tour sans voter pour personne. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Mais ça existe même dans le loup-garou normal. C'est juste qu'il faut décider. Si. Tout ce que tu veux, mec. On l'a jamais fait. On l'a pas fait, mais c'est comme ça. Ça existe. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de débat. Donc, si tu veux mener une action, tu anticipes et tu commences à proposer des trucs. Attends, ils sont beaux vos débats. Viens, on vote pour personne. Allez, ok. Bah non, mais... Attends, on n'a pas un instant de fait ça. Attends, arrêtez aussi. Ils sont beaux vos débats aussi. Tout à l'heure, ils allaient faire ça. Tu dis avant de bypass machin truc. Enfin bref, allez-y, jouez le jeu, enfin jouez votre partie là. Maintenant que Jenny a des vœux, donc jouez votre partie. Et ensuite on le boom. Est-ce qu'il y avait une raison, Makinès, pour que tu votes pour moi au dernier moment ou c'était juste pour le troll? Non, c'était juste pour te faire stresser. D'accord. Bon. C'est très drôle. Hein. Face au merci, Molo, je pense que tu peux faire confiance à Makinès. Ah ouais? Ok. Moi aussi, je pense que je peux me faire confiance. D'accord, ok, je peux te faire confiance. Dans un certain point de vue. Serzian, as-tu vu quelque chose dans la nuit? Rien en particulier. Rien de particulier. Noten, est-ce que tu as des... Non, moi je dormais sur mes deux oreilles. C'est qui a dit qu'il pouvait me faire confiance? C'est moi. C'est Gastouga. C'est Gastouga qui a dit. Entre toi. C'est lui qui a dit. Donc. Et vous pouvez faire aussi confiance à Genesos. Tous ceux qui votent pour moi, vous pouvez vous faire confiance à eux. Non, mais Jenny... On a 14 secondes, soit on fait un vote, soit on fait rien. Et puis là, je peux pas dire. Tu veux voter contre qui? Vas-y, vote. Là, il fait le malin, mais par contre, il vote pour personne parce que ça l'arrange pas. Ils s'en foutent, là. Bah ouais. Ah oui, je m'en fous. Bah. Bah pourquoi? Non, mais c'est débile. Non, parce que l'argument de gêné. Je fais pas des ninja votes comme ça non plus. Fin... Écoute, l'argument. Quoi? L'argument de gêné pour me tuer, c'était oui, mais si on vote pas, on vote pour personne. Après, on avance pas dans la game. Mais là, t'avances. Comme un influenceur. Ah non, mais de toute façon, dites-vous qu'on n'est pas sur un. T'as compris le feu d'artifice? Si t'as compris qu'on y avait un feu d'artifice. Non, mais débile, t'es débile ou quoi? Je te demande d'essayer. Du coup, le fait de te tuer, voilà. Gros, ça rentre dans le truc, quoi. Gros, non, mais gros, je te demande de gagner en essayant de jouer le jeu, pas en faisant du frac comme ça. Sinon, moi, la prochaine fois aussi, vas-y, sans raison, je te ninja vote et puis. Que tu sois loup ou autre chose, je m'en bats les couilles, en fait. Je sais pas si t'as pas compris dans le. Mais j'ai compris que t'es influenceur, trou de balle. Bon, je Voilà. Fils de pute! Ma lumière. Si je tuais les gens sans raison, j'aurais fait quelqu'un. L'assassin, trop fort. Allez, émercer la sorcière. T'es le centre de la veine. Molo, petite salope. Molo, c'est toi le loup. J'en suis sûr. Molo, t'es loup? D'où c'est moi le loup? Bah non. Pas.
Bah, Sarzen, ça peut être... de je sais pas si c'était normal, mais pour moi, Sarzen, soit il me regardait moi, soit il me regardait la personne qui est morte par l'assassin. Moi, je faisais le tour de déduction par rapport à ce qui venait de se passer. Moi, je sais pas, soit c'était un attendez, attendez, attendez. Moi, je réfléchissais Noten Molokax, voilà. Bah, si tu veux, bon, bah, allez, c'est bon, toi, par contre, non, tu peux me le faire à l'envers. Moi, je vote Molokax. Ah! Sarzen. Quoi? J'ai rien fait! Non, please. Je suis isolé, tu crois que je vais utiliser le loup brumeux alors que je suis isolé, que c'est facile de me viser? Ah, gros, c'est possible. Bah. Merde. Mais attends, mais c'était juste une question. Le temps que t'as fait ou c'est parce que t'as pas fait exprès? Attends, il reste qui? Parce que à la fin de la journée, genre moi j'ai regardé toi et t'avais la tête dérivée sur Just Dozit quand il est mort par l'assassin. Non, je me remets au centre. Mais alors, on peut regarder n'importe où dans la nuit. Là par exemple, je regarde Vargestunga. Je sais que je suis mort, mais juste moi à chaque fois, début de tour, fin de tour, à chaque fois je vise le feu. Donc j'ai juste fait le tour en faisant style, je réfléchissais à qui était le. Qui était il est un peu débile le loup par contre d'avoir buté le lanceur. Gestuga safe. Alors, Mackinac, je désolé, sais pas. Hein, mais c'est forcément Molokax. Au revoir, Molokax. Bon, moi je te suis parce que je sais que. Molo, t'es con parce qu'en fait, c'est moi le dresseur. Ouais, j'ai compris. Mais c'est surtout que je t'ai sauvé la nuit, du coup, je sais que. Il a compris, hein, t'inquiète. Vas-y, mais moi je suis chasseur, je peux un peu, c'est mon pouvoir, j'ai trop le seum. Je me serais pas forcément. Alors, non, j'étais sûr que c'était Molo depuis le début. Le pire, c'est que. On s'est sabordé tout seul parce que Luna a pas vu le chat, elle a pas vu qu'on accusait Turtle avec qui elle était amoureuse. Mais merde. Du coup, on l'a tué. Mais de toute façon, je pouvais. Mais parle. Arrête de juste parle. Par contre, je t'ai dit un truc. Mais ça fait trop longtemps que j'ai plus joué à Go. Du coup, j'ai fermé ma gueule. Moi, je voulais niquer, gêner la petite salope. Molo me disait non, vise quelqu'un d'autre. Vise quelqu'un qui a rien à voir. Vise quelqu'un. Alors, je cite en disant gêner, il sert à rien. Ah, voilà, en disant gêné, il sert à rien. Ah. Voilà, je cite. Donc, on s'en est pris à Tartel sans savoir plaisir. Qu'il était lié à Luna. ça vient du cœur, hein, gêné. C'était mon tout plaisir drôle, avant de. Je me suis défendu tour 1 et tour 2. Quand t'es mort, Dozit. Parlez pas en même temps. Vous coupez la parole. Oui, vous coupez la parole et c'est chiant. J'ai entendu juste petite salope. Il y a petite salope. Les arguments, j'en entends pas beaucoup. Il y a vraiment une petite salope, j'ai des autres. Ouais. Voilà, zéro argument, petite salope. Ninja de salope. Ninja salope. Peut-être un peu ninja. Je vais rename sur Discord, bouge pas. Expert en ninja salope. J'ai arrêté les droits. Je peux dire à quoi ça servait. Il y a Gastuga expert en Mont-Saint-Michel et Genesos l'expert en petite salope. Non, regarde, gêné, je l'ai riné. Expert en loup-garou, tout simplement.